gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce beau culte. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu, tu nous donnes la grâce de retrouver tes fils et tes filles et de nous assembler ici ce dimanche 28 pour te célébrer. Nous voulons encore t'acclamer, te louer Jésus. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Ça fait 2 jours. Amen. Mais dis-moi bonne arrivée. Bon, toi aussi, bon, restez, bon arrivée pour ceux qui sont voyagés aussi, bon. Alors, quand on demande comment ça va, non? Comment est-ce que ça va? Comment tu vas? Moi aussi, je vais bien. Jésus m'a gardé pendant ces quelques semaines. La faveur de Dieu était là. J'ai vu que toi aussi, Dieu t'a béni. Ça va bien. J'ai dit, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? À la maison, dans toutes tes affaires, ça va bien. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Je dis comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Bénis un voisin, bénis une voisine. Alléluia. En tout cas, content de te voir, content de te retrouver. Toi aussi, tu es content, non? Amen. Dieu m'a fait la grâce d'avoir quelques semaines de repos. Normalement, ça devait être 4, mais j'ai fait 3. On ne s'est pas vu 3 week-ends, donc ça n'a même pas duré. Amen. Voilà, mais il fallait quand même que je vienne. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur. On a été bénis pendant cette période avec... Pasteur Gentilé, on peut acclamer le Seigneur Jésus. Wow. Mais les puissants moments de prière. Avec Pasteur Alain aussi, on acclame Jésus. Pasteur Gérard et les différents pasteurs, nous voulons rendre grâce à Dieu. Que Dieu bénisse ses différents serviteurs. Pasteur Gentilé nous a fait prier vraiment la prière. Que le nom du Seigneur soit béni. On rend grâce à Dieu. Que Dieu se souvienne de son serviteur. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La semaine prochaine, on aura 3 jours de jeûne, les 3 jours pour dédier le mois au Seigneur. Et on aura pendant ces 3 jours un séminaire prophétique avec un homme de Dieu qui a une onction prophétique. Et tu vas comprendre la valeur de ce qu'on va traiter, de ce qu'il va faire la semaine prochaine par mon message du jour. Amen. Alléluia. La valeur des déclarations prophétiques sur une vie. Amen. Parce qu'il faut que tu puisses les recevoir et tu puisses agir conséquemment. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen, amen. Alors, le mois d'août qui est en train de finir, nous étions dans la 8e bénédiction. Alors, le thème des bénédictions, ce sont des séries qu'on fait passer les mercredis soir ou pendant les 3 jours de étanche ma soif, les 3 jours de jeûne. Amen. Donc, c'est là que je les aborde. Et le dimanche, je les traite, mais à la dimension, ce que j'appelle la dimension de l'épouse. C'est un niveau spirituel. Alléluia. Auquel tu as accès. Amen. Alors donc ce mois qui est en train de terminer, c'était cette bénédiction-là. Dans le livre, c'est la bénédiction de la faveur des hommes, basée sur la 8e bénédiction qui dit « Toutes les nations verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. » Je déclare cela sur ta vie dans le nom de Jésus. C'est très important. Amen. Quand on dit « Toutes les nations, tous les peuples vont te craindre », ce n'est pas une peur pour fuir. Ça veut dire, le mot crainte là, c'est le mot respect. C'est le mot considération. C'est le mot considération. Alors cette bénédiction qui font que tous les hommes te respectent, te considèrent, elle s'appelle aussi la faveur des hommes. Amen. Dieu met sur toi une grâce qui fait que les hommes sont disponibles. Les gens qui doivent signer les dossiers signent, leur cœur s'incline en ta faveur. Tu as cette bénédiction là dans le nom de Jésus. Alléluia. Et cette bénédiction, elle est vraiment puissante. Amen. Amen. Dernièrement, il y a un frère de l'église, on était encore vraiment dans les conditions un peu particulières par rapport à la situation sanitaire du vide zéro. Je devais prendre un papier pour passer l'aéroport. Et je ne l'avais pas parce que bon, je ne savais pas tout ce qu'il y avait à fournir. Et il fallait qu'une institution là signe un document. Et donc, à l'aéroport, là, donc, il y a un frère qui a foncé. Il est arrivé là-bas, il y avait du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent. Donc, il y avait du monde.
Puis il dit, ah, ça là, comment j'ai fait? Le pasteur dit, il a raté son avion. Il dit, ne faut pas rater l'avion. Donc il dit, il est monté sur un truc quelque part. Puis il dit, excusez-moi, je viens de la part du pasteur Sanogo. J'ai un dossier. Quand il a dit ça, il y a du monde. Hein. Quelqu'un est passé. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Venez, venez, venez. Donc, vous venez de la part du pasteur Sanogo? Ok. On a signé deux temps, trois mouvements. Il est arrivé. Après, il m'a dit, ah, bah, vraiment, j'ai dit ton nom seulement là. Et puis, la faveur des hommes m'a été accordée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu te donne un nom qui ouvre des portes. Que Dieu t'accorde un nom qui ouvre des portes dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te soit favorable. Ça, c'est la bénédiction numéro 8. C'est une arme que Dieu nous donne pour conquérir les nations. Sans elle, il y a des territoires où on ne serait pas reçu pour l'évangélisation. La façon dont l'État libérien s'est disposé pour notre croisade, c'est la bénédiction numéro 8 qui a parlé. Le cœur du président était incliné. Avant qu'on ne parte là-bas, on ne connaissait personne au gouvernement. On n'avait pas d'amis. Le président, les ministres, le ministre, de tous les ministres se sont disposés. Et la croisade a pu avoir lieu. On s'est dit, on va aller au Togo. Le Seigneur nous ouvre les portes. Ça, c'est la bénédiction. C'est-à-dire, Dieu favorise, Dieu incline le cœur des personnes. Cette bénédiction est ton partage dans le nom de Jésus. Les dossiers qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à signer, c'est signé dans le nom de Jésus. Mais la Bible dit que, là, il dit, Dieu dit, les peuples vont te respecter, vont te craindre, parce que toutes les nations vont voir que tu es appelé du nom de l'Éternel. Donc la condition est là. Et c'est ce que ce dévotionnel-là, il est très, très, très puissant. Comment quelqu'un est appelé du nom de l'Éternel? La porte de ce dossier-là a été ouverte à mon nom, pas à cause du nom Mohamed Sanogo. Non, c'est parce que celui qu'on appelle Mohamed Sanogo est attaché à un nom, le nom de Jésus-Christ. Donc, toutes les nations verront que le nom de Christ, c'est parce que le nom de Christ est invoqué sur moi. Selon Mohamed Sanogo, quand j'étais étudiant, ça n'ouvre pas les portes. Mohamed Sanogo, quand j'étais géomètre, pour l'utiliser, tu allais voir. Tu dis, je suis vieux, on est un certain gars, c'est Mohamed Sanogo, c'est un géomètre. Tais-toi là-bas, fais faire les rangs, on va avancer. Ok? Donc, ce n'est pas mon nom qui a ouvert les portes. C'est le nom de Jésus. Et parce que ce nom-là est appelé sur moi et que je sers le nom de Christ et que je fais l'œuvre de Christ, c'est pour cela que... Donc, et si tu sers Jésus, toutes les nations verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, le nom que l'Éternel utilisait pour opérer, c'est le nom Jéhovah, Yahweh. Amen. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on rentre avec l'avènement de Christ, le nom qui doit être invoqué, toutes les nations verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus, car il a été donné un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom au-dessus de tous les noms, de sorte qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que les genoux fléchissent au nom de Jésus. Amen. Alors c'est très puissant de saisir cette bénédiction pour entrer dans celle du mois de septembre. Aujourd'hui, mon message est un message de transition entre ces deux grandes bénédictions et je le traite dans la dimension de l'épouse. Amen. Alléluia. Après le séminaire avec le pasteur Kinde, on va avoir un séminaire donc la semaine prochaine avec le pasteur Kinde et je vais, il va prophétiser, il va déclarer sur nous des paroles prophétiques qui vont nous permettre d'entrer dans la neuvième bénédiction, qui est la bénédiction qu'on appelle la bénédiction de l'abondance. Dis avec moi l'abondance divine. Dieu te multiplie, Dieu te rend prospère. Abondamment, ça veut dire que tu auras beaucoup, beaucoup de grâce, beaucoup de joie. L'abondance divine est très importante. Sans l'abondance divine, c'est comme si vous ne rentrez pas dans l'abondance divine, c'est comme si le travail de Jésus n'est pas complet. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible dit ceci. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Amen. Jésus dit quoi? Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc, Jésus-Christ est venu dans ce passage pour deux choses. Il est venu pour que nous ayons la vie éternelle, le pardon de nos péchés, que nous allions au ciel. Ça, c'est une étape du message de Jésus. Mais le même texte dit, Jésus aussi est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Donc, si je me limite à la vie et que je vais au ciel, ce n'est pas complet. Le complément du salut, c'est que je dois prospérer aussi. Amen. Et quand on dit la vie en abondance, c'est d'abord la vie éternelle. Ce n'est pas l'argent prospère, c'est d'abord la vie qui est prospère. C'est quoi la vie qui est prospère? Par exemple, quelqu'un qui est rempli du salut. Quand tu as la vie du salut en toi, tu es rempli du salut, tu libères le salut. C'est-à-dire que quand tu as abondance, c'est-à-dire que tu débordes.
Ça veut dire quoi, ce genre de personne? C'est quelqu'un qui déborde de la vie du salut. Il te dit bonjour, il te parle, tu veux te repentir, donner ta vie à Jésus. Quelqu'un qui est rempli de la santé, c'est-à-dire non seulement Dieu t'a guéri, mais quand la santé déborde, tu te couches sur un lit, tu te lèves, un malade vient se coucher là-dessus, il est guéri. Tu montres dans un bus, tu as arrêté dans le bus, tu descends du bus, tout ce qui était autour de toi reçoit la santé. Parce que Dieu ne t'a pas seulement donné la vie de la santé, Dieu t'a donné cela en abondance. Elle jaillit de toi. Et je te vois en train d'entrer dans cette dimension. Au travers de toi, ta famille est bénie. Les malades sont guéris. Les vies sont transformées. Les vies sont changées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et bien sûr, cela a une incidence sur les finances et sur le matériel. Tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et ce mois de septembre qui va commencer, entre pleinement dans l'abondance divine au nom de Jésus. Amen. Alors, mais ce Jean 10:10 qu'on vient de lire nous dit, avant de dire mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, Jésus dit une chose. Il dit le voleur vient pour égorger, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Point virgule, moi je suis venu. Donc le moi je suis venu vient en opposition à ce que Satan fait. Donc le diable t'empêche d'avoir la vie. Et le diable t'empêche d'avoir aussi l'abondance. Est-ce qu'on est ensemble? Donc même si un chrétien a la vie, Satan va essayer de voler de sorte qu'il soit, il perde, qu'il ne rentre pas dans l'abondance. Et lorsqu'on dit que le diable, parce qu'ici il s'agit de Satan, Satan vole. On doit se poser la question, mais il vole quoi? Parce qu'il est évident que Satan est un esprit et que les démons sont des esprits. Que les démons ne peuvent pas voler en tant que tel, de la matière. Jamais tu n'as vu une voiture en train de rouler seule. Il n'y a personne qui conduit. On dit qui? On dit la voiture. Ma voiture a été volée. Qui a volé ta voiture? Je ne sais pas. Il n'y a personne là-dedans. C'est un esprit qui conduit le volant. Non. Quand un esprit ne peut pas voler ta voiture, un esprit ne vole pas ton argent. Un esprit ne vole pas ta télévision. Les esprits n'interagissent pas directement avec la matière. Mais pourtant, Satan est appelé voleur. La question que nous devons nous poser, mais il vole quoi? S'il dérobe, il dérobe quoi? S'il ne peut pas prendre mon billet de banque, qu'est-ce qu'il vole chez moi? S'il ne peut pas prendre ma voiture, qu'est-ce qu'il a volé dans ma maison? En quoi est-ce que c'est un dérobeur? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que j'ai qui n'est pas du domaine de la matière, qui est accessible à ses frappes? Bien sûr, il peut utiliser un voleur, un brigand physique, pour me faire du mal. Mais ici, il est parlé de Satan lui-même dans son identité de voleur. Et l'ennemi détruit et vole pour empêcher que tu rentres dans l'abondance. Et c'est ce dont nous allons parler. Et un des gros ennemis donc de notre abondance divine, c'est les blocages, c'est le vol, c'est la capacité de destruction de Satan. Aujourd'hui, nous allons briser, détruire, paralyser cette capacité de blocage, de nuisance qui nous empêche de passer de la vie à l'abondance. Le voleur, le dérobeur, le destructeur fait un travail. Quand tu as la vie éternelle, il fait un travail pour t'empêcher de rentrer dans l'abondance. Ou à l'origine même, il va essayer d'empêcher d'avoir la vie éternelle, de donner ta vie au Christ. S'il n'y arrive pas que tu t'es converti, et comme je parle à une église, la plupart des personnes sont certainement converties, il va travailler l'abondance, d'où la grande pauvreté dans l'église, due à des blocages. Les gens entreprennent, ça ne marche pas, les gens déposent des dossiers, ils ne sont pas pris, il y a plusieurs personnes qui ont des documents qu'ils déposent pour qu'on paye leur chèque, c'est bloqué. En fait, les chrétiens sont confrontés à une certaine série de blocages. Je vais te parler aujourd'hui de déblocage. Dis avec moi, déblocage. Déblocage. J'aborde le sujet déblocage parce que quand j'étais dans l'avion en rentrant, je priais, je dis Saint-Esprit, veux-tu que je traite avec tes serviteurs, tes servantes? J'ai entendu déblocage. Je dis comment? Il dit mon fils, il y a beaucoup de blocages. Il faut que tu traites avec ça. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Va. Alors frère, je viens par l'onction de Dieu. La situation qui était bloquée depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années, va être débloqué. Dis avec moi, déblocage. 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 Alléluia. Alors,
Le diable ne connaît que la violence de la prière. Amen. Et nous-mêmes, nous devons désirer ardemment. Donc, avant même d'entrer dans mon message, parce que le message que je vais aborder, mon thème d'aujourd'hui, c'est « Domine les sept raisons pour lesquelles tu connais des blocages. » Domine ces sept raisons-là, ces sept causes de blocage. Comment un chrétien peut être bloqué? Alléluia. Mais je vais pas, ce ne sera pas un message simplement enseigné, ce sera un message prier. On va prier beaucoup. Ça sera un message proclamé. Je vais faire des proclamations prophétiques. Tu vas comprendre pourquoi. Amen. Je vais faire, ça sera un message. En même temps, on enseigne. Et puis, je prêche. Et puis, je déclare. C'est très important. Tu ne rentres pas en septembre avec les mêmes blocages. Ce qui t'a bloqué hier est débloqué maintenant. Tu vas sentir ça dès que tu sors de ce culte. La semaine prochaine, je commence à recevoir les témoignages des situations débloquées. Alléluia. Alors, quand je priais pour demander, mais Saint-Esprit, comment je vais opérer? Il m'a donné cette sagesse avec ces bocaux que vous voyez devant, ces urnes qui sont là devant. Alors, les urnes contiennent cinq principaux sujets où il y a des blocages. Et dans ces urnes, tu dois mettre ton sujet, le sujet pour lequel tu connais un blocage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je l'ai annoncé en ligne quand j'ai dit que j'allais être là au culte, quand j'ai parlé du culte ce week-end. Qui a écouté ça en ligne? Donc vous avez préparé vos enveloppes et vos sujets déjà. Les autres, où vous étiez, voisin qui était là, dit où tu étais. L'autre voisin dit, frère, moi je ne suis pas dans les réseaux, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Si tu n'es pas dans les réseaux, il faut dire je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Ok, bon, c'est pourquoi je réexplique. Amen. Je réexplique. Donc, vraiment, tout ce que vous voyez là, c'est sur instruction de l'esprit. Donc, j'agis de manière prophétique. Il faut être conscient que tu es venu aujourd'hui pour que quelque chose qui était coincé se décoince. Quelque chose qui était fermé, une porte qui était fermée s'ouvre. Il y a une porte là qui saute. Il y a un des verrous qui saute au nom de Jésus. Il y a des cadenas qu'on casse au nom de Jésus. Tu passes quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, les cinq bocaux ou bien les cinq urnes principales sont... Le premier, c'est tous ceux qui connaissent des blocages, des verrous sur le plan spirituel. Donc, la façon dont les bocaux sont positionnés, le bocal le plus à droite, à partir de ma position. Donc, si toi, tu viens de face, c'est celui qui est à ta gauche. Le premier à gauche contient ton sujet de blocage d'ordre spirituel. Tu sens que tu as commencé une avancée spirituelle, mais tu n'arrives pas à progresser. Voilà des années, tu es lourd, ta vie de prière n'avance pas. Tu sens que tu dois passer quelque part avec le Saint-Esprit dans ta vie spirituelle, mais tu es comme arrêté, tu es comme bloqué. Tu vas prendre une feuille. N'écris pas les cinq sujets, n'écris pas les sujets sur la même feuille. Une feuille pour un sujet. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas voir d'autres choses. Donc, dans le bocal, dans l'urne de blocage spirituel, tu viens mettre le sujet d'ordre spirituel. Tu précises sur ta feuille. Il faut écrire ça rapidement. Amen. Parce que plus vous tardez, ça va... C'est ce qui a fait que dans le culte précédent, on a pris trop de temps. Ça nous a fait déborder. Donc, il faut le préparer. Il faut dire, je ne sais pas, je n'arrive pas à prier. Je veux une plus grande intimité avec le Seigneur. En fait, tout ce qui est aspiration spirituelle, marque là. Je veux mieux connaître Jésus, mais ce n'est pas ça. En fait, tout ce que tu... Là où tu connais des blocages, écris. Après l'urne 1... qui est sur votre gauche, à l'extrême de votre gauche, vous avez celle qui suit, qui sont des blocages d'ordre familiaux. Amen. Voilà, il y a des frères qui lèvent la main, qui ont besoin de feuilles, envoyez-les, voilà, rapidement. Et puis, si vous n'êtes pas décidé, faites vite. Donc, d'ordre familial. Amen. Si tu as un blocage familial. Alors, de quoi il s'agit? Quand je parle de famille, je parlais de relations mari-femme, je parlais de la famille des enfants, je veux parler de la relation avec ta belle famille, en fait, tout ce qui est dans la famille. Si par exemple, depuis que tu t'es marié, toi et ta belle-mère, ça ne va pas, c'est un blocage. Parce que c'est ta maman. Et tu veux que Dieu te cante cette situation. Donc tu écris un sujet, ma belle-mère et moi, et tu viens mettre ici. Que Dieu te cante notre situation. Si ton fiancé, ta fiancée, depuis 10 ans, il n'est pas encore allé au mariage, c'est un blocage. Mon mariage doit être débloqué. Si depuis
là, depuis que tu attends le mariage, les choses n'avancent pas. Tu n'es toujours pas marié. Tu sens que tu as un blocage pour te marier. S'il n'y a pas la paix, ton foyer est tout le temps en palabre. Vous êtes bloqué dans les disputes. Vous n'arrivez pas à avancer. Vocal, familial. OK? Tout ce qui concerne la famille. Troisième qui suit sur la gauche, vous avez tout ce qui est blocage d'ordre professionnel et ministériel. C'est-à-dire, sur le plan de ton travail, tu n'avances pas, tu n'as pas la promotion auquel tu attends, tu t'attendais à monter. Il y a des blocages. Au niveau du travail, tu ne trouves pas des solutions. Il y a des dossiers où tu es coincé professionnellement. Tu n'arrives pas à passer à une autre étape sur le plan professionnel. Même au niveau de ta structuration, de ton entreprise, tu as une entreprise, mais tu sens que Dieu veut te confier de plus grandes choses et tu es bloqué sur le plan professionnel. Sur le bocal numéro 3 à partir de ta gauche t'intéresse. Écris le sujet qui concerne cela et tu vas mettre tout de suite dans l'urne. OK? Si tu es coincé, c'était professionnel, et puis j'ai mis ministériel. Par exemple, un pasteur qui voit que son église n'avance pas, l'église ne progresse pas, c'est un blocage dans le ministère. Il vient mettre dans le sujet pour dire déblocage dans mon ministère. Que Dieu, nous sommes environ 300 personnes dans l'église, qu'on est bloqué à 300. Qu'on débloque ça, on veut arriver à 1000 fidèles. Et tu viens mettre ça ici. Le quatrième point, c'est la santé. La quatrième urne, c'est la santé. Alors, une maladie est rentrée dans ton corps, un mal de dos qui est bloqué dans ton dos depuis déjà 5 ans. Ce n'est pas normal. Viens finir avec lui aujourd'hui. Viens, il faut que tu sois débloqué. Un diabète, une hypertension, une maladie qui est calée dans ton corps, qui doit disparaître maintenant. Le quatrième bocal t'intéresse. OK? Tu écris le sujet qui concerne ta santé. Si ce sont des oppressions aussi démoniaques, un esprit impur qui te fatigue et tu le chasses mais il ne part pas, viens le traiter avec le numéro 4. OK? Après cela, vous avez la cinquième urne. La cinquième urne contient tout ce qui est blocage d'ordre financier et matériel. Vous savez, vous pouvez avoir par exemple une progression professionnelle. Hier, j'ai rencontré un frère, il me dit, il a été mis PDG, il monte seulement. Mais il me dit, pasteur, mais dans mes finances, je connais un blocage. C'est-à-dire que tes finances ne se libèrent pas. Tu as une promotion, soit on n'augmente pas ton salaire, ou on augmente ton salaire, mais malgré tout, tu n'arrives pas à mieux investir que quand tu n'avais même pas ce niveau de salaire. Donc financièrement, il y a un blocage dans tes finances. Professionnellement, ça avance. Mais matériellement, financièrement, ça n'avance pas. Tu as un blocage. Alors, l'urne numéro 5 t'intéresse. Écris le sujet. Si c'est fixe d'ordre financier, tes affaires. Donc tout ce qui est blocage financier, les chèques impayés, les dossiers impayés, les activités, les gens te doivent de l'argent, ils ne donnent pas. Tous ces genres de choses-là sont des blocages. Okay? Tu viens et tu écris le sujet, tu amènes dans l'urne numéro 5. Alors, j'ai dit financier et matériel. Matériel, ça peut être quoi? Ça peut être que tu as commencé des travaux de construction. Ou bien tu as acheté un terrain, mais tu n'arrives pas à aller jusqu'au titre foncier. Il y a des blocages à l'administration. Tu as commencé à construire ta maison. Tu as mis les fondations. Depuis là, tu n'arrives pas à poser les briques. Tu n'arrives pas à monter. Tu es arrivé au chaînage. Tu n'arrives pas à passer. C'est un blocage. Maintenant, il peut être dû à manque d'argent. Donc, tu vas mettre, je vais finir mon chantier dans blocage matériel. Et puis financier aussi, tu vas dire que Dieu débloque ma situation financière. Mais ton chantier peut ne pas avancer, peut-être parce qu'il est disputé, parce que les voisins te contestent le terrain, parce que des gens se plaignent, ils te disent non, ils ne veulent pas que tu aies ce terrain, etc. Donc il y a un blocage, parce qu'il y a un blocage qui est plutôt une affaire administrative. Tu viens déblocage dans ce domaine-là, financier et matériel. Et puis le sixième bocal, c'est pour tout autre point qui ne sont pas dans les cinq. Donc si ton sujet de blocage n'est pas dans une de ces cinq urnes, tu l'amènes dans autre. Alléluia. Alors, on va rentrer en prière. C'est notre première prière. Et pendant qu'on rentre, vous allez venir déposer votre sujet. Mais maintenant, pour déposer, suivez les instructions du protocole pour que ça aille vite. Généralement, c'est fait de sorte que vous quittiez votre rangée et vous passez devant chacune des urnes avant de repartir à votre siège. Vous suivez? Voilà, il faut suivre le rang. Sinon, si un vient, il arrive ici, l'autre arrive là, vous allez faire un embouteillage. Toi, tu es en train de chercher l'une finance, vous êtes en train de chercher l'une spirituelle et vous allez perdre du temps ici. Donc, tu viens, tu passes devant chacune, tu lis et tu mets. Mais déjà, même avant d'arriver devant,
faut localiser l'urne qui t'intéresse. Amen. Avant d'arriver devant, localise l'urne qui t'intéresse ou les urnes qui t'intéressent. Et puis, tu prépares ton sujet, tu viens. Alléluia. Donc, pendant que vous finissez d'écrire et pendant que vous amenez les sujets, nous allons entrer en prière. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu vas, dans un premier temps, tu vas prier. Tu écris même en priant en langue. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, je suis fatigué, je vais avancer. Père, je t'en supplie. Tu as dit à ton serviteur, au prophète Sanogo, tu as parlé. Tu lui as dit qu'aujourd'hui, tu lui accordes la grâce de prophétiser pour que nos vies avancent. Jésus, je suis venu dans ta présence. Que ces blocages-là finissent aujourd'hui. Élève la voix et prie le Seigneur. Voilà, maintenant suivez les instructions. Il y a les portiers qui sont là. Ceux qui sont prêts, levez-vous déjà. Venez rapidement. Plus vite vous allez venir, mieux ça sera. Voilà, suivez les instructions, suivez l'ordre de passage et commencez à venir dès que vous êtes prêts et repartez à votre place. On y va rapidement. Suivez. Quelles que soient les salles, vous avez des urnes devant vous. Quel que soit l'endroit où vous êtes assis, vous en avez. Suivez le protocole rapidement. Rendabradas Loriandabra. Faites-le venir rapidement. Voilà, avançons. Si les gens sont là, faites-le avancer. Les portiers, ne faites pas que ça soit en retard. Laissez-les circuler, laissez-les avancer. Faites vite, hein, ne bloquez pas beaucoup, venez devant. Donnez-le l'ordre. Rababrada soro bara la clarianda brada seketere da bros sekatabade rababade shebabade. Seigneur Jésus, je viens devant toi, élève la voix. Toi qui es assis, pendant que tu écris, élève la voix, ne prie pas en silence, prie fort. Je vais te parler pourquoi c'est important de proclamer, de prier, de prophétiser. Prie fortement, élève la voix. Raïde sorobara la glorianda brada sorobara la ke. Chakatarianda brada sorobara la glorianda brada se. Shema kenda rababe. Raïda brada sloria. Attends, pardon, c'est ça. Loin de ton esprit. Lenda mama. Seigneur mon Dieu, Dieu puissant, Dieu vivant. Nous t'élévons, nous prions Jésus, afin que dans ta grâce divine, tu détends ta situation. Seigneur, toi qui as envoyé ce moment, Saint-Esprit, viens prendre. Saint-Esprit, viens sur nous. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Si tu as un visa qui est bloqué, des papiers qui sont bloqués, viens d'un blocage financier et matériel. Si tu attends un visa, tu attends un document, tu es concerné par blocage matériel et financier. Rakatari andabrada sorobara lake. Shakatara babrada sorobara la glorianda brada sarabara laka. Rababraida sorobara la glorianda brada sorobara laka. Sheremara la sonda raba bebe bebe. Loin de ton esprit. Dieu, Père Céleste, mon Dieu, nous t'invoquons. Raïde Sorobara la Katara Babradas Lorianda Bradasa. Commence à prier, supplie Jésus. Recherche l'onction pour en finir avec ce blocage. Reba Katara Babradas Sorobara la Glorianda Bradas Sorobara la Ka. Raïde Sorobara la Glorianda Bradas Sorobara la Kata la Babro. Raïda Baba Baba Shere Bara la Sorobara la Kla. Raïde Sorobara la Glorianda Bradas Sorobara la Ke. Rianda Baba. Le Maya 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 Babe. Riba Baba Be. Rakataya De. Shoma Yama Be. Reba Yama Be. Rakataya Reba Kata Reba Baba Ba. Shorobara Le Kataye. Rianda Maya Baba Sorobare Baba Maya. Ye mama male mama ye mama ma charaba kata ya barabaka ye mama mabe ye mama mabe ye mama mabe roma mama be roma mama be rakata ya de loba ya mabe charaba la sota la babros rai kata le babra da suru mara la kata la babra. Je t'invoque Jésus. Invoque le Seigneur sur la situation. Invoque le Seigneur sur la situation.
Je t'invoque, Jésus. Je t'invoque, Jésus. Alors, pour les frères et sœurs qui sont en ligne, d'accord, vous pouvez afficher le code QR. Pour les frères et sœurs qui sont en ligne, vous pouvez aussi envoyer votre sujet dans l'urne. Voilà un code QR qui apparaît sur votre écran. Scannez-le ou allez à l'adresse qui suit et vous pourrez écrire vos sujets. Donc, vous allez avoir vos six urnes, disponibles en ligne. Tous ceux et celles qui sont connectés, posez l'acte maintenant, scannez ou allez à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Scannez ce code QR et vous serez dirigé directement ou allez à vasedhonneur.org/déblocage. Rababrada sorobarada gloriandabra. Rekata yanda lababrada sorobarada ke. Redabrada sorobarada gloriandabrada sorobarada ka. Rababrada sorobarada gloriandabrada sorobarada ka. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Seigneur intervient, Esprit de Dieu. Canta ya abres, solo para la gloria de Abra, chere para la soca, acata ya abra, se maya mora la ve, rucata ya veo, shabara matale, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, racata ya abra, sara para la gloria de Abra, chere para la gloria de Abra, re para para la soca. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, qu'à l'onction de Dieu, ceux qui ont déjà donné, qui sont là, restez debout derrière. Redabra, tenez-vous debout. Laïdabra da soromaralaka. Tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus et tu vas prendre l'onction de Dieu sur toi. Lève les mains, dis avec moi, je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Je reçois l'onction du prophète. Cet esprit en moi. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous allons briser. Par les mains, écrase les obstacles. Détruis. Prie maintenant, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brisez. Bayamabe. Chamare kataye, lokate ya babe, mukata ya de, chere ma brade, soraba kaye, urama kate, shoraba late, reba ya de, lakata ya braida, sorobara la gloria da bradasa. Nous renversons les forces des ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie, blocage spirituel, matériel, tu es détruit dans le nom de Jésus. Je réduis tes œuvres à néant dans le nom de Jésus. Je paralyse tes œuvres par la puissance de Dieu. Détruis les œuvres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. On y va. Écrase, détruis. Roba, katarababra, charabara, la sorobara, la cantarababra. Brisé. Maladie, brisé. Au nom de Jésus, les verrous spirituels, sur ta vie spirituelle, sur ta vie familiale, sur ton ministère et ta profession, sur ta santé, nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume des cieux est forcé et nous arrachons des ténèbres, nous arrachons ce qu'ils ont volé dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, brisé.
brisé. Au nom de Jésus, je renverse les obstacles, je renverse les forteresses. Réduis les aléas, les catarababros, maïs, les catarabos. Shabayama de maïs, c'est qui me l'a dit. Rokatayame, maïs, sopratarabo. Rekatayena, abakata, les blocages. Les blocages tombent. Ayabra et les sourds, la sarana la canne. Au nom de Jésus. Tes affaires sont débloquées. Ta famille est débloquée. Ta vie spirituelle est débloquée. Tes condamnés débloqués. Au nom de Jésus. Débloqué. Au nom de Jésus. Débloqué. Vois le blocage dans ta tête. Imagine-le. Débloqué. Et vois la puissance de Dieu qui arrive et qui décante, qui brise cet obstacle. Débloqué. Vois la puissance de Dieu qui descend et le déblocage qui prend place. Rakatayade, Arabakatayame, Rokatama, Alabarakatara, Serebaranakota, Erebarabarabarakatara, Barada Sorobarakata, Erebakataya, Barada Sorobarakata, Rabakataya, Arabakataya, Barada, Sorobarakataya, Erebarabara, Sorobarakara, Barada Sorobaraba, Ikateye, Buka, Arabakataya, Mabukas, Erebarakatara, Barada. Au nom de Jésus. Ton mariage est débloqué, tes finances sont débloquées, tes enfants sont débloqués, au nom de Jésus. Débloqué. Ta santé est débloquée, au nom de Jésus. Débloqué. Tes finances sont débloquées, au nom de Jésus. Débloqué. Ton travail est débloqué, au nom de Jésus. Débloqué. Tes finances sont débloquées, au nom de Jésus. Débloqué. Toute autre forme de blocage, débloqué, au nom de débloqué, au nom de Jésus. Débloqué. Au nom de Jésus. Alléluia, quelqu'un acclame fortement Jésus. Alléluia. Ah, mon Dieu, loin de ton esprit, rempli de ta force, je renverse tes restes. Loin de ton esprit, rempli de ta force, je conquiers mes territoires. Loin de ton esprit, rempli de ta force. Esprit, rempli de ta force, une dernière fois, loin de ton esprit, rempli de ta force, je renverse tes forteresses. Loin de ton esprit, rempli de ta force, je conquiers des territoires. Alléluia, quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame très fort Jésus pour le déblocage. Je le déclare sur ta vie. L'Esprit m'a dit, viens et prophétise le déblocage. Je déclare dans le nom de Jésus. Et cela commence dès que tu finis ce culte. La réponse à ta prière est manifestée. Le déblocage prend place. Tu es débloqué. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia, on peut se rasseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, comme je t'ai dit tantôt, le thème c'est domine les sept raisons pour lesquelles tu peux connaître de gros blocages. J'aime le thème gros blocage parce que la vie même est faite de petits blocages normaux. C'est le nom évident pour la croissance. Mais il y a des blocages qui sont anormaux, qui durent un temps inutile. Comme une grosse perte de temps.
Et en citant ces sept raisons, je vais envoyer sept types de prophéties. Alléluia. Amen. Alors pour que tu comprennes et que tu sois dans l'onction et que tu sois dans l'esprit, nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Et quand je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il m'a parlé d'un gros blocage qu'a connu Israël dans l'accomplissement du plan de Dieu de rebâtir le temple de Jérusalem. Alors, le temple de Jérusalem a été construit par le roi Salomon. Mais Israël, après Salomon, même du temps de Salomon, va commencer à se détourner de Dieu. Et ils vont, de génération, de roi, roi après roi, à part quelques-uns qui vont se mettre à part, avoir une vie différente parce qu'ils vont vivre avec Dieu, la plupart vont vivre loin de Dieu. Et premièrement, 10 tribus vont être envoyées en déportation selon les prophéties de Dieu, que si vous vivez mal, si vous commettez l'idolâtrie, la terre que je vous ai donnée sera prise. Donc, on a envoyé un premier lot par le peuple qu'on appelle les Assyriens, ont déporté 10 tribus d'Israël. Et il va rester dans la région d'Israël les autres tribus qui étaient dirigées par les descendants de David. C'était particulièrement la tribu de Juda. C'est de cette tribu de Juda qu'est tiré le nom juif. Quand on dit les juifs, on parle de la tribu de Juda. Mais quand on dit les israélites, on parle des 12 tribus. Ok? On parle des 12 tribus. Et au milieu, donc, il y avait 11 tribus qui avaient des terres en tant que telles. Et il y avait une 12e, la tribu de Lévi, qui était disséminée dans tous les peuples parce que c'est eux qui étaient des fonctionnaires qui faisaient le travail du culte. Donc, il y avait des lévites du côté de Juda et il y avait aussi des lévites du côté d'Israël parce que eux, Dieu ne leur avait pas donné des terres en possession. Ils devaient travailler avec tout le monde, faire l'administration spirituelle. Ils étaient les prêtres et les pasteurs. Ils étaient partout. Donc, là, le peuple va se séparer après Salomon en deux. Il va avoir donc deux royaumes, le royaume de Juda et l'autre royaume qui va garder, les 10 tribus vont garder le nom d'Israël. Et il y aura Juda. Et le royaume de Juda était dirigé par les descendants directs de David. Tandis que le royaume d'Israël était dirigé d'abord par Jéroboam. Et puis après, il y a eu des coups d'état là-bas, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas une lignée qui est restée au pouvoir, c'est plusieurs rois de familles différentes qui ont pris le pouvoir. Et c'était très pécheurs en premier, et eux, ils ont fini par être déportés. Et quelques années plus tard, les Judéens aussi, ceux de Juda, vont aussi mal se comporter, et eux aussi vont être déportés, cette fois-ci pas par les Assyriens, mais par les Babyloniens. Amen. Et ils vont se retrouver donc dans la région de Babylonie, qui est quelque part vers l'Irak. Quelque part, donc, parce que ce peuple-là, quand il vous colonisait, pour ne pas que vous vous rébelliez à nouveau, on prenait presque toute la population. Et on les a fait parcourir des milliers de kilomètres. Si vous imaginez l'Irak, la distance avec Jérusalem, donc ils ont parcouru tout ce territoire-là pour pouvoir être en Babylonie. Et c'est là qu'on a connu donc des hommes comme Daniel, Shadrach, Meshach étaient en Babylonie. C'était des fils de la déportation. Le prophète Jérémie avait dit, le prophète Ézéchiel sont des prophètes du temps de la déportation, où l'empereur, le roi qui régnait s'appelait Jéconia, ce sont des rois, donc ce sont des prophètes qui ont opéré dans cette période. Ils ont vu le péché, la guerre et la déportation. Et Jérémie avait dit que ça allait durer pour les juifs 70 ans. Ça allait durer 70 ans. Et un prophète comme Ésaïe a même annoncé prophétiquement le nom du roi qui allait mettre fin à la déportation, mais surtout qui allait ordonner la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc le temple, quand Israël, quand les juifs, les judéens, ou la tribu de Juda a été déportée, Nebuchadnezzar, l'empereur, le roi de Babylone, va réduire à néant le temple de Jérusalem. Il va le brûler et il va plus exister. Nous sommes maintenant dans le contexte, donc dans les environs de 580 avant Jésus-Christ, donc c'est là dans ce contexte-là que cette histoire que je vais vous lire et qu'on va prophétiser va se passer. Alors, Esdras chapitre 1 verset 1 nous dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire
de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout le lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alléluia. Alors l'empereur ou bien le roi Cyrus, c'était un empereur parce qu'il régnait sur un gros empire. Mais là on parle du royaume perse, j'ai fait un peu d'histoire. Donc après l'empire de Babylone, où les Israélites étaient en captivité, l'empereur babylonien lui-même, bon, il va partir, son fils va prendre le pouvoir. Et du temps de son fils appelé Belshazzar, les Perses, qui étaient un royaume avec lequel ils composaient, vont prendre le pouvoir. C'est une forme de renversement d'empire et puis de coup d'état aussi. Donc, ils vont prendre le pouvoir. Et donc, après Belshazzar, il y a eu d'autres empereurs. Et eux aussi, ils ont travaillé avec les Juifs qui étaient là. Donc, c'est là qu'on a Cyrus. C'est dans cette période-là que vont venir les reines comme Esther, etc. Ok? C'est un des... Esther va être mariée à un des empereurs perses. Ok? Quand on dit à Cyrus, c'était un perse. Voilà. Donc, Le Cyrus va arriver à peu près vers la fin des 70 ans et il va avoir une révélation. La Bible dit l'Éternel, selon la prophétie de Jérémie, a réveillé l'esprit de Cyrus et Cyrus a donné un droit. Il dit Dieu m'a dit que la maison de Dieu qui est à Jérusalem doit être rebâtie. Alléluia. Il a donné instruction, il a donné des ordres. Il a même dit qu'il donnait de l'argent et que les impôts qui devaient être récoltés dans la zone puissent servir à bâtir le temple de Jérusalem. Les paroles de Cyrus sont des... L'acte de Cyrus a été poussé par des prophéties. Et lorsqu'il va donner cette instruction, on arrive à Esdras chapitre 2 qu'on ne lira pas, mais les hommes de Dieu, les Juifs, se sont mis ensemble. Ils ont récupéré l'argent, ils ont célébré Dieu, et ils ont repris la route en masse pour repartir. C'était plusieurs mois de marche pour repartir ou bien à cheval jusqu'à Jérusalem, pour reconstruire Jérusalem. Et parmi eux, il y avait des hommes dont on lira beaucoup les noms, tu dois retenir. Il y avait un certain Zorobabel. Dis avec moi, Zorobabel. Zorobabel, c'était un descendant de David. Il était un des petits-fils du dernier roi judéen, c'est-à-dire Jéconia. Il était un de ses petits-petits-fils. Il s'appelait Zorobabel. Et avec lui, c'était les deux grands leaders. Il y avait un sacrificateur, donc un descendant des Lévites, appelé Josué, le souverain sacrificateur. Donc ce sont les leaders principaux qui vont arriver et qui vont exécuter l'ordre de l'empereur Cyrus. Amen. Donc on arrive maintenant au chapitre 3 de Esdras, où ils vont recommencer à bâtir. Le monsieur qu'on appelle Esdras, lui-même c'était un scribe. C'était un scribe qui va venir un peu plus tard. Donc, ce que je vais lire, avec quoi je vais prophétiser pour le déblocage, va baser sur les prophéties de Zacharie, de Agée. Je vais te dire pourquoi je cite leur nom et tu vas le comprendre. Et puis de Esdras. Amen. Quelque chose est sur le point de t'arriver. Yes. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, tu vas comprendre pourquoi je parle de déblocage. D'abord, dans Esdras chapitre 3, verset 10, ce que le roi a déclaré va commencer à se faire. Il a dit, si vous connaissez tout le chapitre 3, d'abord au verset 1, à partir du verset 1, ils vont rebâtir le, pas le temple, mais le culte. Ils vont faire l'autel des holocaustes, ils vont commencer par le culte. C'était des hommes très pieux, des gens qui craignaient Dieu. Verset Esdras 3, 10, il a dit, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple, donc ils ont commencé à faire le temple, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel. D'après les ordonnances de David, roi d'Israël, il chantait, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dira toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Verset 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison.
Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Alléluia. Donc, quand ils sont repartis, ils ont d'abord remis l'autel des holocaustes pour faire les sacrifices et adorer Dieu. Maintenant, ils allaient reconstruire le temple. Et le jour où ils allaient poser la première pierre de fondation, c'était émouvant. Les anciens, ceux qui avaient plus de 80 ans, plus de 70 ans, 90 ans, les 100 ans, les centenaires, qui avaient vu la première maison, parce que l'esclavage avait duré 70 ans. Donc ceux qui avaient 80 ans, ils avaient 10 ans. Les fils des Lévites, ils ont vu le premier temple. Ils l'ont vu brûler. Ils sont partis en déportation. Ils sont restés là-bas 60 ans, 70 ans. Et ils arrivent et puis on pose la pierre. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ceux qui sont nés en Babylonie, dont les parents avaient parlé, on dit, ah, nous, dans notre pays-là, on descend d'une grande famille. On descend de Salomon. On descend avec un roi David. Salomon avait construit un temple. On est un pays. On ne vient pas de Babylonie. Nous, on vient d'Israël. On est le peuple de Dieu. Et ils ont parlé du temple de Jérusalem. Quand vous lisez par exemple Daniel dit chaque fois qu'il priait, il regardait dans la direction du temple. Le temple n'existait plus. Mais c'est pour dire que c'était un rêve dans leur cœur. Donc tous ceux qui sont nés dans la déportation là, pendant les 70 ans, ils étaient en fête. Dieu est grand. Ils ont loué Dieu. C'était un peuple qui était revenu à Dieu. Et dans la joie, la célébration, la crainte de Dieu, ils ont célébré. Et ça, vous voyez tout cela dans le chapitre 3 d'Esdras. Mais après le chapitre 3, il y a quel chapitre encore? Chapitre 4. Vous savez, Dieu peut te donner des prophéties. Dieu peut dire, il va bâtir avec toi de grandes choses. Mais à un moment donné, il y a un quatrième chapitre qui s'ouvre. Et c'est le chapitre 4 qu'on va traiter. C'est le chapitre des blocages. C'est le chapitre de l'arrêt. C'est le chapitre du rêve qu'on entre au rêve, le bouton pause qu'on vient appuyer sur le rêve. Mais ce n'est pas simplement une pause. C'est une pause qui ressemble à stop. Vous voyez, sur les appareils, il y a pause, c'est deux traits. Et puis quand c'est un gros carré là, ça veut dire on arrête l'appareil. Il y a des pauses qui ne sont pas des pauses. Quand on appuie le stop, ça veut dire c'est fini. Ça veut dire tu t'arrêtes. Ça veut dire tu es bloqué. Le chapitre 4 va réveiller. Et je me suis rendu compte que dans la vie de tous les hommes et les femmes de destinée, il y a un chapitre 4 qui s'ouvre. Et un chapitre 4 s'ouvre. Lorsque Dieu a dit qu'il veut bâtir un projet avec toi, qu'il veut bâtir un temple avec toi, qu'il veut faire une œuvre avec toi, quelque chose peut se passer. Et ça arrive le chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Il est dit, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité, regardez le terme, les fils, c'est-à-dire que ceux qui étaient nos esclaves avant, ceux qu'on a contrôlés hier, les fils de la captivité, bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ezar Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Et il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et on arrive au verset, on saute, on peut aller au verset 24 de Esdras 4. Toujours dans le même chapitre 4, le chapitre du blocage. Il est dit au verset 24. On lit ensemble le verset 24, s'il vous plaît. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Blocage. Blocage pendant plusieurs années. Ce n'est pas par son idée que Cyrus a donné l'ordre.
c'est parce que Dieu lui a dit. Le roi Cyrus s'est levé. Il dit, Dieu m'a dit. Et puis il a donné des instructions. Bâtissez la maison de Dieu. Voici l'argent. Voici les ressources. Toutes les portes semblaient ouvertes. L'empereur lui-même avait donné son OK. Et le peuple est parti. Ils ont marché avec Dieu. Ils étaient fidèles à Dieu. Ils ont servi fidèlement. Ils ont posé, ils n'ont même pas commencé même par poser les briques. Ils ont dit, on va restaurer d'abord le culte. Ils ont restauré le culte au chapitre 3. Ils ont tout organisé. Ils ont fait venir les chantres. Ils ont organisé la structure. Ils ont cherché la face de Dieu. Et ils ont dit, maintenant on va poser le premier fondement. Ils l'ont fait en louant Dieu. C'était une journée de célébration avec des larmes. Et ce jour-là, pendant qu'ils célébraient Dieu, ils étaient en train d'avancer. Le chapitre 4, on tourne la page, on arrive au chapitre 4, verset 1. Le gouverneur, les gens qui étaient dans la zone se sont levés. Par plusieurs, premièrement par la séduction. Ils disent, oh, nous on veut travailler avec vous, on veut être des amis. Notez bien leur stratégie. Parce que chacune des choses va faire l'objet d'une prophétie pour que vous, les choses soient débloquées. Comment le blocage s'installe? Ils viennent et ils disent, on veut collaborer. Josué, notez bien Josué et Zorobabel. Ce sont les deux chefs. Amen. Josué et Zorobabel leur disent non. Comme Josué et Zorobabel leur ont dit non, le texte continue en disant, ils sont partis intimider le peuple. Pas Josué et Zorobabel. C'est-à-dire, le groupe là, ils les ont intimidés. Ils ont tenté de les séduire. Ils ont tenté de les décourager. Ça n'a pas marché, mais ça a commencé à mettre un poison et vous allez voir ça là plus tard. Et à la fin, pour bloquer définitivement les travaux, comme le roi savait que c'est Dieu qui lui avait parlé, ils ont payé les conseillers du roi. Là, comme montez les textes en parallèle. Ils ont soudoyé à prix d'argent. Je ne sais pas, construire le temple, voilà le problème. Dans ce pays-là, chacun priait ses dieux. Et ils vont prier Dieu. Ils sont en train de faire le temple. Ils n'ont même pas dit, ils vont prendre le pouvoir. Juste la maison de Dieu. Les gars se sont cotisés. On dit, alors s'arrêta l'ouvrage. Non, non, remonte au verset, je ne sais plus combien. Où il a dit, il donnait l'argent aux conseillers. Les ennemis de Judas de Benjamin apprirent que les fils de la captive bâtissaient un temple et tenaient Dieu. Avançons. Le verset d'après. Hein, et ils ont donné, bref, ils ont donné de l'argent. C'est le verset. Verset combien? Verset 5, non? Voilà. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. À prix d'argent. Donc ils ont envoyé l'argent au conseiller du roi. C'est-à-dire que c'était des milliers de kilomètres. Ils ont envoyé de l'argent. Ils disent, donc les ministres sont là, ils étaient corrompus. Le roi dit, est-ce qu'on a envoyé l'argent chez nos frères de Juda? Oh oui, c'est parti, coupeur de route. Le roi donne instruction, le gars qui doit signer, parce que le roi n'est pas le ministre de tout, le ministre bloque. Le DG bloque. Ce monsieur-là, je veux qu'on le nomme, blocage. Les gens bloqués, ils ont embrouillé le système. Jusqu'à le roi Cyrus, qui était le garant de l'accomplissement, décède. Ses conseillers étaient corrompus par beaucoup d'argent. Tu peux pas t'imaginer pour te bloquer les sommes d'argent qui ont été investies contre ta vie. C'est-à-dire, des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que quand on t'explique certains blocages spirituels, tu te dis, non, c'est pas vrai, ma vie n'a pas autant d'importance pour qu'on fasse autant d'efforts. C'est-à-dire que, parce que eux-là, Cyrus-là, il ne régnait pas sur Israël. Il dit, regardez le texte, il dit, moi Dieu m'a donné tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire ce coin-là, ce n'est qu'un petit coin. Il régnait sur l'Iran. Quand on dit les Perses là, c'est l'Iran aujourd'hui. Il a régné sur la partie de la Babylonie. Quand on dit les Babyloniens là, c'est l'Irak. Donc il faisait l'Iran. Vous voyez la taille de l'Iran. La taille de l'Irak. Jusqu'à Israël, jusqu'en Afrique du Nord. Donc ce n'est pas un petit roi. Donc ça c'est un détail. Mais Dieu, il était le garant. Et bâtir un temple. Mais les gars sont partis toucher les ministres. Il dit, le roi là, il a décidé quelque chose. Mais nous on ne veut pas. Quel est leur problème? Et comme ça, on a bloqué ce dossier. Tu peux pas savoir, pour ne pas que tu voyages là, ce qu'on peut faire pour bloquer ton papier. Et toi-même, quelquefois, tu te rends pas compte du niveau de bataille qu'il peut avoir sur ta vie. Parce que tu ne vois pas que ta vie est aussi importante pour susciter une telle opposition. C'est-à-dire, ils n'ont même pas soudoyé le gouverneur. Ils sont partis jusqu'au ministre d'un empereur qui est très, très, très loin pour empêcher les travaux. Mais dis-moi, dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus. Il y a un chapitre 5. Il y a un chapitre 5, frère. Il y a un chapitre 5. Je viens par la prophétie de Dieu déclarer sur ta vie le chapitre 5 de Dieu. Il y a eu le temps où l'adversité, l'ennemi, par toutes sortes de moyens, essayait de bloquer ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta vie familiale. Tu ne sais pas d'où vient la bataille. Pourquoi ton conjoint et toi, vous ne vous entendez pas? Quel est ce problème de santé? Tu n'arrives pas à avancer, ton corps est toujours lourd. Tu te lèves pour travailler, il y a un blocage dans ta santé. Ta santé est un frein. Toujours, tu es toujours couché à l'hôpital. Tu n'arrives pas à travailler. Et cela a une incidence sur beaucoup de choses dans ta vie. Tes dossiers sont bloqués. Qu'est-ce que tu es? Ce que tu demandes, on doit te payer juste un million, mais pour ça, tu as l'impression que un million, ils vont faire quoi avec ça? Qu'on me paye mon petit salaire, mais ça c'est bloqué aussi, et tu ne sais pas pourquoi. Les gens se sont levés le jour où tu as eu le contrat, le jour où tu as eu le marché, tu as dit Jésus est vivant. Quand tu as célébré, il y a une page qui a été tournée, on arrive au chapitre 4, tes ennemis aussi se sont levés en même temps, ils ont soudoyé des personnes, ils ont mis beaucoup de moyens en place pour que ce petit chèque là, la petite maison que tu as commencé, ce qui semble insignifiant soit bloqué, que tu ne puisses pas avancer. Ils sont partis voir le DG, le directeur. On leur a dit, non, il ne faut pas le promouvoir, ce monsieur-là. S'il vient, tu ne sais même pas, c'est juste pour devenir chef de service. Petite promotion, les gens viennent faire un blocage avec cela. Et tu te poses la question, mais de quoi s'agit-il? Pourquoi je suis bloqué? Oui, le chapitre 4 s'élève lorsque Dieu vous appelle, lorsque vous avez une destinée, lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée sur votre vie, lorsqu'il y a un message qui est donné dans votre vie. Il peut y avoir un blocage. Ça arrive le blocage. Le chapitre 4 arrive chaque fois quand Dieu commence une œuvre. Et tous les hommes de Dieu, tout le monde est confronté à cela dans sa vie. Mais Dieu ouvre aussi un chapitre 5. Alléluia. Je viens par l'Esprit de Dieu ouvrir le chapitre 5. Alors laisse-moi te dire comment. Nous allons maintenant au chapitre 5, verset 1. Donc après le dernier verset là, c'est le verset 24 du chapitre 4. Chapitre 5. Donc quand on finit, les travaux furent arrêtés. Tu tournes la page, tu regardes le chapitre d'après. Tu vas voir chapitre 5, verset 1. Et le chapitre 1, verset 1, ne commence plus par Zorobabel et par Josué le bâtisseur. Mais il est dit, dis avec moi, Agé le prophète et Zacharie fils d'Ido le prophète prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Verset 2. Alors, Zorobabel fils de Shelatiel, Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Ils se sont levés sous la prophétie et ils ont continué à bâtir. Et on continue dans la lecture, il a dit quoi? Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Regarde. Amen. Avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Quelle est la différence entre le chapitre 1 où le roi Cyrus a déclaré vous reconstruire le temple. Dieu m'a dit de vous dire de bâtir. Et cette fois-ci. Donc quand Zorobabel et Josué sont repartis avec le peuple pour rebâtir, ils avaient un ordre de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Mais malgré cela, les ennemis ont pu les empêcher. C'était le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu ce mariage. C'est le plan de Dieu ton entreprise. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Mais malgré ça, on t'a bloqué. C'était la volonté de Dieu, mais on t'a bloqué. Il y a eu chapitre 4. Ça a été bloqué. La différence maintenant se trouve dans le chapitre 5. Maintenant, là, il y a quelque chose qui est venu les accompagner. Le prophétique. L'onction prophétique est rentrée en ligne de compte. Il y avait le décret. Mais le décret seul n'était pas suffisant. Donc le chapitre 5 commence en disant, dans l'environnement maintenant, au début on n'avait pas parlé du prophète Agé, on n'avait pas parlé du prophète Zacharie, on avait parlé de ces hommes courageux, d'un constat. Zorobabel, c'était roi, c'était bâtisseur, c'est quelqu'un qui est, c'était visionnaire, ça c'est Zorobabel. Josué, c'est l'adorateur, c'est l'homme de Dieu, c'est le pasteur, c'est le sacrificateur. Mais il manquait une onction. Et là, chapitre 5, verset 1, on commence Agé, le prophète. Zacharie, le prophète. Ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Et les hommes se sont relevés. Et ils ont commencé à bâtir. Ce qui était arrêté a commencé à se décanter. Là où il y avait les blocages, le blocage s'est débloqué. Il y a eu un déblocage. Il y a eu un déblocage. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, mais de quoi s'agit-il? Dis mon fils, les gens bâtissent avec mon plan.
Mais maintenant, je te ouais aujourd'hui. Tu es le prophète. Va sur l'église et dis à mes enfants, ainsi parle l'Éternel ton Dieu. Oui, je viens de la part du Seigneur. Zacharie et Agé ne se sont pas autant envoyés. Dieu les a oints. Oui, je venais ici. Et dans l'avion, l'Esprit m'a dit, je te oins. Je suis venu prophétiser le déblocage. Il te manquait une prophétie. Elle est là. Dieu te l'envoie pour te prophétiser et pour assister jusqu'à la finalisation de ce que Dieu avait commencé au travers de toi. Là où tu étais bloqué, il a fallu la parole, la déclaration prophétique pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses. Je viens avec la prophétie qu'il te faut maintenant pour te dire, le temps de t'élever, recommence cette activité, recommence ce projet, lève-toi maintenant dans le prophétique. Tu as été bloqué, tu savais que ça venait de Dieu. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi et il te dit, lève-toi, reprends le travail, reprends la chose, va chercher tes dossiers, ainsi parle l'Éternel. Ce qui a été bloqué se débloque maintenant. Ce n'est pas par ma force ni par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Ta situation est débloquée au nom de Jésus. Alléluia. Assieds-toi un moment dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Mais même pendant qu'ils se sont levés pour prophétiser, ça n'a pas été simple. L'ennemi s'est aussi levé. Mais là, il n'a pas pu bloquer. C'est trop intéressant ce qui s'est passé. Il a dit au verset 3, dans le même temps, c'est-à-dire en même temps que le prophète s'est levé, cette fois-ci maintenant, là, les anciens sont partis, c'est un nouveau. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve. Sheta Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Ils leur dirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Alléluia. Quels sont les hommes des hommes qui construisent cet édifice? Verset 5. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Alléluia. Maintenant que le prophétique est entré dans ta vie, oui, bien sûr, quelqu'un va essayer de s'élever là-bas, quelqu'un va essayer de sortir là-bas, des gens vont essayer d'apparaître ici, mais quand le prophétique est libéré, le regard de Dieu est sur toi, c'est-à-dire Dieu lui-même veille, il veille, il veille. Je déclare, les yeux de Dieu sont sur toi, le regard du Seigneur se tourne vers toi. Après ce culte de déblocage, le regard de Dieu est posé sur toi. Dieu a les yeux sur toi. Malgré qu'ils vont faire du bruit autour, Dieu veille sur toi et les travaux que tu vas recommencer ne vont pas s'arrêter. Et tu vas avancer dans le nom de Jésus. La Bible dit, l'œil de Dieu. La première fois, ils ont arrêté. On n'a pas dit que l'œil de Dieu était là. C'était la volonté de Dieu. Mais le prophétique a décanté le regard, l'attention, la veille de Dieu lui-même. Vous savez, c'est pourquoi j'enseigne beaucoup sur le prophétique ces derniers temps. L'onction prophétique est très importante. Ne jouez pas avec ça. L'apôtre Paul dit, aspirez au don spirituel. Et lui-même, il dit, surtout à celui de la prophétie. Surtout à celui de la prophétie. Vous savez, c'est pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes. Vous faites très attention. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. On va voir ce qu'on appelle la prophétie qui est rebâtie. Vous faites très attention. Ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était des envoyés de Dieu pour leur vie. Et il y a des choses que tu dois comprendre. Moi, je ne te parle pas de moi, je ne te parle pas de mon âge. Je vais te parler de la part de Dieu. Reçois ça comme une prophétie. Saisis la image dans la prophétie et tu vas réussir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parce qu'ils ont écouté les prophéties, l'œil de Dieu était sur eux. C'est l'élément, c'était les mêmes Zorobabel. C'est le même Josué. Mais cette fois-ci, au chapitre 5, verset 1 dit, mais non, cette fois-ci, il y avait Agé et Zacharie qui sont entrés dans la danse. Mais pas, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils sont venus sous l'onction de la prophétie qui les avait saisis. Alléluia. Et l'œil de Dieu, donc malgré que le gouverneur a commencé à s'opposer, les gens ont commencé à s'opposer, ils avançaient dans les travaux. Donc il est dit que le gouverneur, on est toujours au chapitre 5, verset 6, une copie du roi Darius, ils vont écrire au roi, pour dire au roi, et voici ce qu'ils ont écrit, ils ont des noms vraiment, quand vous voyez, vous vous dites qu'un démon n'est pas loin. Il a dit, copie de la lettre envoyée par Darius, par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve. Je sais quoi? Chetna Boznaï et leurs collègues,
Apharsac, demeurant de ce côté du fleuve, lui adressèrent un rapport ainsi conçu. Au roi Darius, donc du verset 8 au verset 11 jusqu'au verset 16. Le verset 16 finit en disant: ce Sheshbaza est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem depuis jusqu'à présent. Elle se construit et elle n'est pas achevée. Verset 17. Maintenant, si le roi trouve bon que l'on fasse des recherches dans la maison du trésor de Babylone pour voir s'il y a de la part de Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem, puis que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Alléluia. Donc, pour les empêcher encore, Tatnaï et un groupe de personnes vont écrire un autre courrier au nouveau empereur Darius, qui était là depuis près de 2-3 ans. Ils l'ont écrit maintenant. Ils disent: voilà, il y a quelque chose qui se passe ici. Il faut que tu fasses quelque chose. Quand on leur dit: qui vous a dit de faire? Regardez, donne-moi le verset 11. D'abord, il dit: donne-moi le verset 11 de Esdras 5. Verset 11, ils disent: voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux. C'est-à-dire, quand on leur demande: qui vous a autorisé? Ils disent: nous, là. Ce qu'on est en train de faire, c'est le service de Dieu. Notez très bien cela. Amen. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien longtemps. Donc, nous rebâtissons la maison de Dieu. Amen. Et quand leur courrier est parti, ça prend des mois parce qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'e-mail, il n'y a pas tout ça. Ce sont des chevaux, des gens qui partaient jusqu'à des milliers de kilomètres pour dire: voilà ce qui se passe. Ils envoyaient la réponse. Donc pendant ce laps de temps, l'œil de Dieu a fait qu'ils ont continué de construire. Et ils ont avancé, 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 avancé. Ils n'étaient plus bloqués à cause du prophétique. Mais quand le prophétique arrive, ce n'est pas ça seulement. On arrive maintenant au chapitre 6. Dis avec moi 6. Donc 5, les prophètes apparaissent. Et les prophètes, le prophétique va faire que malgré les obstacles, tu vas avancer. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit les prophètes les assistaient. C'est-à-dire tout le parcours, ils ont prophétisé. On va voir quelques-unes des prophéties. Je ne pourrai pas les terminer aujourd'hui, mais on verra quelques-unes. Et au chapitre 6, je crois que même leur courrier même là est parti avec l'onction de la prophétie. Le roi Darius, qui ne les connaissait pas, l'empereur qui régnait sur tout cet empire immense. Chapitre 6, donnez-moi le chapitre 6. Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches, etc. Allons verset 5. Il est dit verset 5. Donc verset 5 d'Ésra 6. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevé au temple, etc. Maintenant, on arrive au verset 6 maintenant. Lisons avec moi. Il a dit quoi? Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar Boznaï et vos collègues d'Arphazak qui demeuraient de l'autre côté du fleuve. Il a dit quoi? Tenez-vous loin. C'est-à-dire, le retour du roi. Vous là, tenez-vous loin de cette œuvre, de ce lieu. Tenez-vous loin. Je viens par l'Esprit de Dieu et je prophétise sur ta vie. Tous ceux qui te combattent et qui font des rapports, ainsi dit Dieu, la voix de Dieu tourne à leur oreille. Tenez-vous loin de la fille de Dieu. Tenez-vous loin de l'enfant de Dieu. Je te donne cet ordre dans le nom de Jésus. Ennemi d'un tel, ennemi du serviteur de Dieu, dans le nom de Jésus, tu te tiens loin. Tenez-vous loin de cette œuvre. Alléluia. Tu peux rester debout. Allons-y. Donne-moi la suite du verset. Tenez-vous loin de cette œuvre. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu dans le nom de Jésus. Dis avec moi. Tu me laisses. Je continue le travail, l'œuvre que Dieu m'a confiée. Alléluia. Je continue. Il a dit que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elles occupaient. Tu vas rebâtir, tu vas continuer, tu vas achever ce que Dieu a commencé à faire avec toi. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ce que Dieu a commencé, qui s'était arrêté, les projets qui étaient bloqués, dans le nom de Jésus, tu arrives jusqu'à terme au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, ça c'est le courrier du roi. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Deux points. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve. Ça veut dire tout ce qui est à moi dans les impôts là,
de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes. Alléluia. Il a dit quoi? Afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu commence une œuvre avec toi maintenant et il n'y aura pas d'interruption dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien, d'aucune ressource spirituelle, émotionnelle, matérielle pour achever ce que Dieu a commencé dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. C'est extraordinaire, frère. Le courrier est parti pour décourager le roi. Le roi ne le connaissait pas. Mais qu'est-ce que... On écrit un rapport contre toi. Et on va voir le DG. On va voir même le chef de l'État. Pour dire, il y a quelqu'un dans le bureau qui... Mais au lieu que le monsieur écoute ses conseillers, c'est comme s'il entend un autre son. C'est-à-dire, le courrier vient contre. Mais lui, ce qui arrive dans ses oreilles, c'est autre chose. Au point où il exagère, en lui demandant, est-ce que c'est vrai que Cyrus a donné une instruction? Il dit, non seulement c'est vrai, mais maintenant, c'est moi-même, je vais l'achever, puis je vais mettre Bassou. Je dis, vous, votre groupe là, quittez. Je ne veux plus voir dans la... Quittez. Laissez-les tranquilles. Toi qui gouvernes là-bas, là, je te dis, tu quittes le quartier. Tu les laisses tranquilles. Un. Deux. C'est toi qui recortes les impôts, non? Je t'écris, je te dis. Pourquoi ça va arrêter même? Payez-les. Donnez-leur mon argent. Ça ne s'arrêtera pas. C'est ce que Dieu fait pour toi. Les rapports que les gens ont écrits contre toi, les critiques que les gens se transforment en paroles favorables, je les déclare dans le nom de Jésus. Là où on est parti demander à ce que tu descendes, Dieu prend cela pour t'élever dans le nom de Jésus. Là où on est parti demander ta chute, la parole de la prophétie t'accompagne. Je prophétise sur ta vie ce matin. Je prophétise sur ta vie ce matin. Les accusations des ténèbres contre toi se transforment en opportunités. Dis avec moi, les accusations des ténèbres contre ma vie se transforme en opportunité, en parole de faveur, en parole d'élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi la suite, donne-moi la suite, donne-moi la suite. Amen. Alléluia. Il dit de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Avançons. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux. Jeune taureau, bélier, agneau, froment, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande. C'est-à-dire tout ce qu'il prend pour faire le culte. Parce que chaque fois on venait sacrifier des bœufs, des moutons. Il dit ça. S'il dit, vous amenez. Il dit, je ne veux pas qu'ils aient un besoin. Je ne veux pas qu'ils soient là où on va trouver du sel. Il dit, à leur demande, je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu penseras à une chose et tu l'obtiendras. De sorte que tu ne manques de rien dans le nom de Jésus. Il dit, selon livré à leur demande. Avançons. Il dit au sacrificateur de Jérusalem, jour par jour et sans manquer. C'est-à-dire, le roi dit, je ne veux pas entendre qu'un jour, ils ont manqué d'argent pour réaliser quelque chose. Tu rentres dans une dimension, je le déclare sur ta vie. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Ton Dieu prendra soin de toi. Le ciel est ouvert sur toi. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. La parole prophétique est sur toi. Amen. Amen. Et sans manquer. Il dit, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Vous voyez là, le roi a peur. Le roi dit, non, les gars, là, leur Dieu est trop fort. Laissez-les, vont prier pour moi. Amen. On continue. Il a dit, et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. Ce qu'il va dire trop fort. Ça dit, Cyrus avait prophétisé, avait déclaré, mais Darius, il est passé à un autre niveau. Alléluia. Il dit, et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois et on la dressera pour qu'il soit attaché. De quoi le Seigneur est en train de dire? Vous savez, ce genre de courrier ou de propos que les sorciers font dans les ténèbres, que des gens écrivent, ce poison dans l'air, là, souvent vous ne savez même pas d'où ça vient. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que on va enlever un poteau de leur maison et on va les attacher, on va les exposer. Ce qui va se produire, à partir de maintenant, il y a un vent qui souffle. Tout ce qui se tramait dans les secrets contre toi est exposé. C'est exposé. Tu verras de tes yeux ce qui te combattait dans les ténèbres. Dieu va l'exposer. Ça veut dire ce jour-là, Dieu a dit que tu es débloqué. Mais quand il a été débloqué, certains vont se vouloir malgré tout se lever. Dieu dit, je vais te donner un ordre.
Si quelqu'un ose, malgré mon instruction, continuer encore d'essayer d'entraver, il sera mis à nu. Il sera exposé sur un poteau. On saura que... Tu vas arriver à te dire, lui-même va te dire, celui-là, c'est lui qui te ramène contre... Le voilà. Et tout le monde saura que c'est un faux type. Des personnes qui étaient appréciées, des personnes sur qui le chef, le ministre, tout le monde était convaincu, mais qui derrière tramait le mal, Dieu les mettra à nu. Dieu met l'adversité à nu. S'ils ne se répondent pas, s'ils n'ont pas la crainte que Dieu veut qu'on ait de toi, ils seront exposés dans le nom de Jésus. Mais plus que cela, amen. Il dit, on arrachera de la maison. Il dit, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. C'est-à-dire, non seulement on l'expose, mais lui-même, je détruis sa maison. Je le déclare dans le nom de Jésus. 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 La maison de ceux qui trament est détruite. Quand Dieu dit je détruis la maison, ce n'est pas un bâtiment. C'est-à-dire, c'est l'endroit qui rassemble tous ceux qui leur ressemblent. Une maison, c'est-à-dire une famille, c'est une manière de penser. Donc tous ceux qui seront dans ce temple, Dieu va détruire leur maison de sorte que il n'y a pas de descendants même qui refassent ce qu'ils ont fait. Ça doit marquer leur génération. Voilà ce que Dieu dit. Le déblocage que tu es sur le point de vivre à partir de ce moment prophétique est très fort. Il amène Dieu à te regarder, à ce que personne ne t'arrête. L'œil de Dieu est sur toi. Le regard du Seigneur est posé sur toi. Malgré les bruits qu'ils feront autour de toi, tu vas avancer. Ils parleront contre toi, mais tu avanceras. Et s'ils ne se taisent pas et continuent de parler, Dieu va les exposer. Et s'ils persévèrent, leur maison sera renversée. L'œil de Dieu est sur toi. Il n'y aura pas d'interruption. Tu ne manqueras d'aucune ressource jusqu'à ce que tu aies achevé ce que Dieu t'a dit de faire. Quelqu'un déclare un bon amen. Acclame Jésus. Alléluia. Reba katarababradas lurianabras. Amen. Alors, assieds-toi quelques minutes encore, assieds-toi. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que donc, qu'il y a eu deux prophètes en particulier, Agé et Zacharie, qui ont accompagné le peuple, qui ont assisté les deux leaders avec le prophétique. Et Dieu nous a fait grâce, c'est que ces deux prophètes, leurs prophéties existent, ont été écrites dans le livre du prophète Agé. Le Agé dont il est question, c'est le livre du prophète Agé. Les prophéties de Zacharie, c'est lui qui a écrit le livre du prophète Zacharie. C'est pourquoi, si vous lisez les prophéties du livre de Agé, vous allez voir les noms de Josué, de Zorobabel qui sont répétés à l'intérieur. Quand vous allez voir, c'est Zacharie qui dit, « Oh montagne, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel ?» Ce n'est pas dans le livre de Esdras, c'est dans le livre de Zacharie. Donc, il dit, « Ce que tu as mis à achever, tu vas l'achever. » Donc, tout le temps, ils ont prophétisé. Donc, leur prophétie qui a assisté, ce n'est pas une prophétie donnée une fois, c'est une prophétie qui a assisté. Tu vois, dimanche après dimanche, je te bénis, je vais prophétiser. Juste, ça dit que la prophétie va t'assister, ça dit la prophétie va t'orienter. T'assister, c'est ça. La prophétie va te dire, va à gauche, va à droite, arrête un moment, passe par ceci. Et l'onction prophétique demeure sur toi. La puissance prophétique demeure sur toi. Non seulement pour débloquer, mais pour traiter avec les ennemis du blocage, afin qu'ils ne bloquent pas à nouveau. Et pour faire en sorte que ce ne soit pas un problème de ressources qui viennent te bloquer, mais que tu sois toujours pourvu. Et que tu ailles jusqu'au bout. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Alors, en parcourant ces prophéties, je ne pourrais pas toutes les dire, mais en parcourant ces prophéties, je me suis rendu compte qu'on pouvait les résumer en 7 lots de prophéties. Amen. La dernière de ces prophéties, les derniers types de prophéties, c'était les prophéties vraiment de prophéties d'encouragement. Qui sont aussi les débuts, qui ont commencé, mais qui ont... Par exemple, on a Zacharie chapitre 4 à partir du verset 6. Donc le prophète Zacharie dont il est question, dans le prophète Zacharie, il dit, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Dis avec moi, qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Maintenant, au lieu de Zorobabel, tu as dit ton nom. Qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Devant, dis ton prénom. Tu seras à plein. Qui es-tu? Yes. Grande montagne. Devant. Tu
tu seras. Il est dit, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce et grâce pour elle. La grâce de Dieu est déversée sur toi au nom de Jésus. Verset 8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Lève les mains. Tes mains, Dieu a commencé à faire dans tes mains ses œuvres. Tes mains qui ont commencé, tes mains l'achèveront. Ce que Dieu a commencé avec toi, tu vas l'achever. L'œuvre que Dieu a commencé avec toi, tu vas dans son terme. Tu ne tourneras plus en rond, tu vas l'achever. Les projets que Dieu t'a donnés, tu iras jusqu'au bout. Ils ne s'arrêteront pas, ils ne s'arrêteront plus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu les amènes à leur terme. Dans le nom de Jésus. 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 Et il a dit, car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront. Ceux qui se moquaient, qui riaient, ceux qui se méprisaient, c'est plusieurs célébreront Dieu. Parce qu'ils vont voir son royaume, sa grâce déversée sur ta vie. Et il est dit, notez bien ça, c'est sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Alléluia. Note bien ça. Les sept yeux là, c'est une vision qu'il a vue. Mais ça fait partie donc de ces sept raisons que je vais te citer. Il est dit, vous avez lu dans le livre d'Esdras, il est parlé, il dit l'œil de Dieu. Et à un moment donné dans la prophétie, Zacharie a vu sept yeux. Et maintenant, donc c'est là qu'il a l'interprétation, il dit, ces sept yeux-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. C'est ce qu'il est en train de dire, c'est que quand le prophétique est relâché, dans tous les secteurs, sur toute la terre, c'est comme si les yeux-là veillent. Les intervenants dont tu es conscient, les intervenants dont tu n'es pas conscient, Dieu veille. Par exemple, quand tu commandes tes produits peut-être en Chine, c'est en Chine là-bas, il y a le blocage. Toi, tu crois que le blocage est bien ici avec des sociétés d'Abidjan? Non, c'est des sociétés vers la Chine qui gèrent le problème là-bas. Les yeux de Dieu aussi sont sur toute la terre, ils sont en Chine. Ça sera débloqué là-bas dans le nom de Jésus. J'ai vu des dossiers, c'est même sur la terre où ils doivent partir que le combat est livré contre eux. C'est même pas là de leur point de départ, c'est le point final. Les yeux de Dieu sont aussi à la fin et Dieu combat pour toi. Quand on parle des sept de l'Éternel, ça veut dire la vision parfaite de Dieu où aucun recoin est caché. C'est ça qu'on appelle les sept yeux de Dieu. Chaque point est regardé. Quand vous rentrez dans cette dimension du prophétique des sept yeux, parce que ça fait partie des prophéties, c'est la dernière prophétie que j'ai donnée. Mais je ne vais pas la faire aujourd'hui, cette dernière prophétie. Je n'ai pas le temps d'arriver jusqu'à elle. Mais c'est là-bas que je m'en vais. Amen. Toutes ces prophéties sont les prophéties de Zacharie et de Haggai. Quand on dit qu'ils les ont assistés, là, c'était un travail. Ce n'était pas simplement des prophéties, tu vas bâtir, tu vas finir. C'est tout un travail qu'ils ont fait. Chaque jour, chaque moment, quand Satan se lève ici, ils ont une vision. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je veux dire, ce n'est pas un programme qu'on a commencé puis on a fini. Non. C'est une assistance prophétique. C'est-à-dire que dimanche, quand tu arrives là, tu prends la nouvelle orientation. La nouvelle orientation. Et ça varie au moins dans sept, avec les sept yeux. Pour réaliser les choses que Dieu a dites dans ta vie. Tu vas aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Tu vas jusqu'au bout dans le nom de Jésus. C'est pas une bonne idée qui m'est venue. Moi, j'ai jamais enseigné ce message. C'est Dieu qui a commencé à me parler hier. Ça veut dire qu'il veut te bénir. Ça veut dire que tu vas réussir. Je sais pas. C'est dit, j'étais dans l'avion et Dieu a commencé à m'enseigner ce message. Je ne l'ai jamais écouté. Je n'ai jamais entendu ça moi-même. Il a commencé à m'expliquer. Il dit, les gens ont des blocages. J'ai dit, quel blocage? Il dit, j'ai des choses qui sont dites dans leur vie. Satan s'est levé, chapitre 4, les blocages sont venus. Et ils ne savent pas pourquoi. Beaucoup tournent en rond. Leur vie est paralysée sérieusement. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre quel passage du blocage? Il dit, non, calme-toi. Il dit, va d'abord, parce que je connaissais l'histoire du blocage du temple de Jérusalem. Ça, je connais l'histoire. Il dit, repars dans cette histoire, tu vas comprendre quelque chose. Il m'a parlé donc de Zorobabel, de Josué. Et puis il dit, mais la prophétie là existe. La façon dont on les a assistés et puis ils ont terminé là, ce n'est pas des prophéties au hasard. Ça existe. C'est Haggai, son livre est là. C'est Zacharie, son livre est là. Donc va voir ce qu'ils ont dit. Et il faut savoir que les sujets qu'ils abordent sont généralement les sujets, les causes majeures des blocages dans la vie des personnes. Donc quand ils viennent et puis ils prophétisent, quand ils disent comme ça, j'ai vu les sept yeux, ça veut dire que Dieu, c'est ce jour-là, Dieu a pris le contrôle. Et il est parti avec le courrier du roi. Il l'a contrôlé. C'est ça. C'est pourquoi le texte dit, oui, il dit les sept yeux là. On est dans le livre de Zacharie. Mais quand il dit, l'œil de Dieu était sur eux. Et ils ont continué leurs travaux. Là, c'est dans le livre de Esdras.
C'est le scribe qui a écrit l'histoire. Et Zacharie qui l'a pris. Donc tu comprends qu'en fait, l'œil là, ça correspond à une partie de la prophétie. Pourquoi il dit l'œil de Dieu était sur nous? Pourquoi il ne dit pas la main de Dieu était sur nous? D'abord, on dit le doigt de Dieu ou la main de Dieu. Il dit l'œil de Dieu, c'est-à-dire le regard, l'assistance. C'est-à-dire Dieu dit, quand tu ton œil là, quand tu regardes le voleur ne veut plus voler. Mes yeux sont sur toi. Et quand il dit mes yeux sont sur toi, ça dit je te protège. Mais ça dit aussi, mes yeux aussi sont sur le voleur. Tu vas faire quoi? Et il est paralysé. Les yeux de Dieu sont sur toi. Je prophétise les sept regards de Dieu sur toi. Je déclare les sept regards de Dieu. Mais laisse-moi terminer cette prophétie-là quand j'ai fini mon thème. Les sept regards. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que la faveur de Dieu soit sur toi. Alléluia. Amen. Alors pour aujourd'hui simplement, je prophétise sur la première et quelques raisons. Amen. La première prophétie qui sont données, les premières prophéties que vous retrouvez dans Zacharie chapitre 1 et dans Agé chapitre 1, quand les prophètes commencent à prophétiser, ils ont un premier message qu'ils envoient au peuple qui explique la première raison du blocage. Donc, ça explique et ça décante la situation. Lorsque les croyants ont saisi cette prophétie, ils ont avancé. Amen. Ils ont avancé. Et les premières prophéties, on ne pourra pas toutes les lire, mais vous les trouvez dans Agé le chapitre 1 et vous les trouvez dans le livre de Zacharie au chapitre 1. Et il est dit là, par exemple, prenons Agé chapitre 1. Il est dit, Agé 1:1, la seconde année du roi de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète, par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shelatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Alléluia. Il dit, considérez vos voies, c'est-à-dire les chemins que vous empruntez. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Amen. Ça veut dire que quand tu travailles, quand on te paye, le sac est percé. Ton argent disparaît, tu ne sais pas comment. Tu manges, mais tu n'es pas rassasié. Tu as toujours faim. Tu as soif, tu bois. Ce n'est pas que tu ne bois pas. Mais c'est comme si tu restes à la même place. Tu as fini de boire et puis tu as soif. C'est ce qu'on appelle un blocage. Tu sèmes, tu recueilles peu. Et il reprend encore verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Donc, le premier blocage, la première cause du blocage, c'était Dieu lui-même. Ce n'était pas Satan. Il dit, j'ai laissé vos ennemis vous bloquer à cause des voies que vous prenez, des chemins que vous empruntez. Donc, quand Zacharie a prophétisé, Agé a prophétisé, c'était de dire au moment, revenez sur le chemin de Dieu. Revenez sur le chemin de Dieu. Alors, pourquoi ta vie est bloquée? Pourquoi tes finances sont bloquées? Pourquoi tes affaires sont bloquées? Première raison, tu n'es pas sur la bonne voie. C'est-à-dire, le chemin que tu prends pour avancer, ce n'est pas la bonne route. C'est pourquoi tu es bloqué. Dieu lui-même en train de freiner pour dire, c'est comme l'histoire de Balaam. Balaam s'est levé, le roi lui a donné l'argent, il devait partir. Son âne s'est arrêté pour l'arrêter. C'était un blocage de Dieu lui-même à cause du chemin qu'ils étaient en train d'emprunter. Et je viens de la part de Dieu te dire, reviens mon fils, reviens fille de Dieu, reviens sur la voie de ton Dieu. Tu connais le chemin de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quel est ce chemin?
Pour ceux qui ne sont pas encore convertis, c'est le salut. C'est donne ta vie à Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors frères et sœurs, la première raison pour laquelle il y a des blocages, c'est parce que les gens prennent des mauvaises voies, des mauvais chemins. Et quel est le premier mauvais chemin? C'est le chemin du païenat, du paganisme. Le chemin qui ne convertit pas. Le chemin païen. Quitte le monde païen. Tu n'es pas fait pour être dans le monde. Oui. Tu es un appelé de Dieu. Écoute. Ta vie connaît des blocages. Pourquoi tu es bloqué? Pourquoi tu n'as pas, tu n'es pas converti? Tu ne veux pas te convertir. C'est ça. Écoutez. Les gens regardent, les gens interprètent le blocage, les gens prêchent comme étant, comme si Satan ne veut pas qu'il se marie. Mais je te dis dans le fond là, qu'est-ce que Satan a à foutre de ton mariage? Tu crois que c'est ton mariage qui l'effraie? Il y a trop de gens qui sont mariés, qui lui appartiennent, qui travaillent pour Satan. Satan n'a pas peur des mariages. Toi seul, Satan envoie des démons, des maris de nuit. Quand les gens te voient et ne te voient pas, tu es bloqué dans le projet du mariage. Donc, c'est-à-dire que Satan là, toi, dans sa vie, il ne veut pas que tu sois épanoui dans ton mariage. Il s'en fout de ça. Sérieusement, il faut que tu comprennes que ce n'est pas dit qu'il ne bloque pas ton mariage. Il bloque ton mariage. Mais ce n'est pas parce que, c'est pas parce qu'il a peur de ton bonheur conjugal. C'est parce qu'il a peur de ce que tu dois être à partir de ce foyer. Ta vraie vie. Écoutez, il y a des batailles que vous livrez de manière inconsciente. Jésus n'était pas né. Ou bien il venait à peine de naître, son étoile est apparue. Hérode a décidé de le tuer. Il y a des fois, quand tu es un homme, quand ton étoile est apparue, votre étoile apparaît à votre naissance. Et malheureusement ou heureusement, il y a des gens qui le voient. Des mages ont vu l'étoile de Jésus. Ils sont arrivés, ils ont dit Hérode. Ils pensaient qu'Hérode était content. Il dit, oh, on dit le roi des Juifs est né. Il regarde dans sa famille, il n'y a pas un enfant qui vient de naître. Donc, dans la descendance, parce que quelqu'un doit être roi. Donc, on dit le roi des Juifs est né. Bon, écoutez, les mystiques prennent ça au sérieux. Vous vous jouez avec l'histoire des étoiles. Tu n'as aucune idée de ce que les gens voient. Des mystiques ont vu l'étoile de Jésus. Toi, on a vu ton étoile il y a longtemps. Tu étais bébé, guinguin. On dit, la femme là, elle a quelque chose. Et c'est pourquoi tu as des blocages. C'est à cause de ton étoile. Donc, tant que tu ne vas pas réaliser que tu dois te mettre sur le chemin pour que l'étoile prenne sa destinée, ta vie sera bloquée. Parce que Satan a peur de toi, tu n'étais même pas conscient. Tu es un gars dangereux. Tu es une femme. Ça veut dire que ce que Dieu a mis en toi, là, ce n'est pas bon pour le diable. Mais toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Ça veut dire que Jésus même était bébé. C'est pourquoi Dieu a parlé à Joseph. Il dit, prends l'enfant et sa femme et sa maman, allez-vous-en. Donc, il y a des choses qui sont passées. Il y a des gens qui sont ici, les blocages ont commencé dans le vent de ta main, on a fait t'avorter, mais tu es né. Tu as quelqu'un, tu as une destinée. Les maltraitances que tu as connues, les décès autour de toi, la maltraitance de ton enfance. Et tu es là, ta vie est toujours bloquée, bloquée, mais c'est bloqué parce que tu as une étoile. Tu crois qu'il a affaire à ton mariage? Non, il a affaire à ton destin. Vous savez, quand Hérode n'a pas pu tuer Jésus, il a massacré tous les enfants. C'est-à-dire, à cause de toi, il y a des dégâts collatéraux. Mes amis, revenez sur le chemin de Dieu. Si ta vie est bloquée, c'est parce que tu ne marches pas clairement avec Jésus et Satan veut t'enfermer dans une bataille. Vous venez à l'église simplement pour que Dieu vous donne un mari. Mais on n'a pas besoin d'un pasteur pour se marier. Va t'arrêter à la mairie de Cocody. Et dis-moi si tous ceux qui se marient là-bas sont chrétiens. Les sorciers se marient. Les marabouts se marient. Les tous se marient. Donc qu'est-ce que Satan a à foutre que toi tu te maries ou pas? Mais ce qu'il crée, c'est plus haut que ton mariage. Donc pendant que tu étais parlé, pasteur, mon mariage est bloqué. Pose-toi la question. Mais mon mariage est bloqué, pourquoi? Maintenant, si tu viens chercher Dieu, il va te dire qui tu es. Et quelle est ton étoile? Il va dire, c'est ce que Satan combat. Il attaque ton mariage, mais en fait, ce n'est pas ton mariage qu'il craint. C'est ce que ton couple même va bâtir. Reviens sur le chemin de ta destinée. Convertis-toi. Viens à Christ. Sors du péché. Sors de l'impudicité. Sors du mensonge. Sors de l'adultère. Prends la vie de Dieu. Prends le chemin de ta destinée. Tu es appelé avant ta naissance. Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Prends le chemin. Sors de la boue du péché. C'était le premier message de Agé de Zacharie.
Ça n'a pas été vous réussirez, vous réussirez. Le premier message c'était de dire repentez-vous, revenez sur la voie de Dieu. Ça c'est de la prophétie. La prophétie ce n'est pas celle seulement qui vous encense. La prophétie c'est celle qui vient te ramener sur la voie. C'est celle qui vient te dire qui tu es et ce que tu dois faire et les choses que tu dois laisser. C'est les choses que tu cumules qui n'ont rien à voir avec ta destinée qui te bloquent. C'est les choses que tu accumules, les attitudes, les copains, les copines, les relations bizarres. C'est ça qui te met en retard. C'est ça qui te fait tourner en rond. Tu dois dire, Jésus, viens me sauver. Écoutez, n'attendez pas d'être parfait pour venir à Christ. Venez à lui tel que vous êtes. Il y a une fille que j'ai rencontrée. Je me suis arrêté dans une ville à un moment donné. Et puis, c'était un moment où ils l'ont de manger. Il y a quelques jours, elle est venue nous a dit, oh, passe à Augustin en France. Je dis quoi? Je dis, je suis djiboutienne. Je dis, ah bon, mais je vous suis. Ah bon? J'ai retrogradé. Et l'esprit me dit à l'instant, c'est pourquoi je vous ai fait manger dans ce restaurant, à cause de cette fille. Elle dit, je ne sais pas comment m'en sortir. Je vis avec quelqu'un. Il n'est pas chrétien. J'ai honte de revenir à l'église. Et non, viens tel que tu es. C'est Jésus qui lave. On ne se lave pas avant de venir à Jésus. On vient chez le laveur. Le temps défini d'être propre là. Tu ne seras jamais propre. Tu ne seras jamais suffisamment propre. Tu étais pécheur et il t'a pris. C'est vrai que tu as rétrogradé. Mais quand tu es venu à Jésus là, tu es venu, souvent même on est venu, nous là quand on venait, on était à chercher des femmes. Mais c'est dans ça qu'on nous a lavé. Et puis après, la femme là a quitté nos têtes. Donc maintenant tu as péché. Toi-même tu veux quitter les péchés par ta propre force avant de revenir. Mais tu ne pourras pas. Quand tu es attaché à des gens, comment tu quittes? Donc viens à Jésus tel que tu es. Dis Jésus, je reconnais que cette relation n'est pas la bonne. J'ai un problème pour moi, mais je sais que tu es le chemin. Veux-tu me sauver? Délivre-moi, je suis tombé mais j'ai besoin de ton aide. Il va t'aider. Il t'a aidé hier, il va t'aider aujourd'hui. Tu es sa fille, tu es son enfant. Lui qui t'a sanctifié hier, tu étais un très grand chrétien, aujourd'hui tu as perdu beaucoup de choses, mais reviens. Je viens te dire, reprends le chemin et tu vas sortir de ce blocage. Tu sais qui tu as appelé. Tu n'es pas, tu es un serviteur de Dieu. Deuxième chose, dans ce blocage, dans la première raison. Ici, ce sont les Israélites. Ils pensaient, ces gens-là pensaient à leur propre vie. Il dit, vous habitez des demeures lambrissées au lieu de bâtir le temple de Dieu. Vous savez, quand on dit rebâtir le temple de Dieu, le temple de Dieu, ce n'est pas un bâtiment physique d'abord. C'est ta vie. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le blocage là, pourquoi Satan te bloque? Parce que c'est toi-même. La maison de Dieu a rebâti. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, le temple de Dieu, c'est votre corps. Hein? Donc, quand Dieu est en train de me bâtir, Satan n'aime pas. Oui. C'est toi le temple. C'est contre ta vie qui se bat. Mais c'est le temple de Dieu. Il dit, votre problème, c'est que vous ne voulez pas consacrer votre vie pour faire de votre vie le temple de Dieu. Vous voulez faire votre temple dans lequel vous voulez que Dieu vienne à côté. Dieu, ta vie là, tu es bloqué. Parce que tu ne l'as pas dédié à Dieu. Il y a beaucoup de Satan vous fait croire que si on se convertit, on ne peut plus faire beaucoup de choses. Si on se convertit, tu risques d'être bloqué. Si tu continues comme ça, il faut céder. Cède. Dis à un voisin, cède. Voilà. Vis pour Dieu. Sois un Zorobabel. Tu es un dirigeant, tu es un leader. Sois comme un Zorobabel, dédié à Dieu. Tu es consacré pasteur comme un truc. Il y a des leaders politiques, économiques qui servent Dieu. Des conseillers royaux, des Daniel, des Joseph, des économistes, il y a tout le monde. La plupart des gens qui ont écrit la Bible ne sont pas des pasteurs. C'était des hommes d'affaires, c'était des paysans, c'était des fermiers. Abraham était un fermier. Il n'était pas pasteur. Joseph était un homme politique. Daniel était un homme politique. Prenez votre Bible, la plupart des auteurs, vous allez voir qui ils sont. Des gens de la vie de tout le temps. Mais qui servaient Dieu avec leur vie. Qui avaient compris qu'une vie doit servir aux intérêts du royaume de Dieu. C'est ça, bâtir le temple de Dieu. Il dit, mais vous habitez vos demeures lambrissées. Chacun d'entre vous est en train de penser, moi j'ai construit ma petite maison, j'ai fait ma petite vie. Tu vis pour toi. C'est pourquoi tu es bloqué. La première prophétie qu'ils ont dit, revenez. Laissez vos voies là. Commencez par bâtir votre vie spirituelle. À dédier votre vie à Dieu. Servez le Seigneur dans la maison. Envoyez des offrandes pour qu'il y ait à manger dans ma maison. C'est tout ça qu'on a donné, ces prophéties. Ces prophéties-là, bâtissez le temple de Dieu. Physiquement même, le bâtiment, tout l'engagement. Vous êtes dans une église, tout l'engagement. Regardez comment on est dévoué pour faire avancer le royaume de Dieu. Toutes les croisades, tous ces milliards, ce temps,
ces kilomètres qui sont dans ces reins, ces missionnaires, pour que Jésus soit glorifié. Qui n'a pas envie d'avoir sa maison? Mais c'est un choix de vie. Et on ne le fait pas simplement en tant que pasteur. On le fait en tant qu'entrepreneur. On le fait. Seigneur, mes avis, mon idée, ma stratégie, les voitures que je vais avoir, les taxis. Tu m'as dit des taxis. Tout ça pour ta gloire. Que dans mes voitures, que les gens qui rentrent entendent la parole de Dieu. Fais pour les choses pour Dieu. Dans mes maisons, que les gens qui rentrent la paix de Dieu. Tu es un bâtisseur, fais-le au nom de Dieu. Tu es une femme d'affaires, fais-le au nom de Dieu. Tu es un politicien, fais-le au nom de Dieu. Serre Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Donne à Dieu, investis pour le royaume de Dieu, investis pour le salut des âmes, investis pour la guérison des nations, investis dans ton argent, ne pense pas d'abord à toi. Quand l'argent arrive, regarde, comme qu'est-ce que tu vas faire pour que les gens soient sauvés, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'ils aient la vie. Regarde, détermine. Je connais un pasteur qui est venu me voir, Dieu l'a dit de devenir homme d'affaires. Il est venu, il m'a vu, il dit pasteur, ce que je fais, je dis quoi? Il m'a dit, je ne dis pas ça pour me vanter. Mais je prends ça, je vois combien de centaines de missionnaires. Et Dieu le bénit. Et aujourd'hui, il est l'une des plus grandes sociétés d'opérations immobilières. Et il est venu me dire, tu te souviens de moi? J'ai dit, ton visage me dit quelque chose. Il dit, avant, j'étais missionnaire. Et puis un jour, il était là, pendant qu'il priait sur le champ de la mission, Dieu lui a dit, souviens-toi, Dieu lui a dit, de Uri. Il dit, Uri, quel Uri? Uri que David a fait tuer là. Et Dieu dit, voilà, ce sont les missionnaires, tous ces jeunes qui sont sur le champ. On a des missionnaires à Korogo, on a des gens dans des villages. Il dit, ces gens-là, qu'on laisse sur le plan de bataille. Parce que David a dit, envoyez-le, mettez-le en première ligne. Et au plus fort de la guerre, laissez-le seul. Dieu dit, les missionnaires, il y a des jeunes qui sont dans des villages. Nous, on veut envoyer les personnes. Mais maintenir quelqu'un dans une zone rurale, ce n'est pas évident. Mais il y a des gens qui sont riches ici pour soutenir ces missionnaires. On s'apprête à payer des camions avec des centres. Tous les camions que vous voyez là, on nous donne, on nous met ça en disposition ou on loue. On n'a pas de camions médicalisés comme on traite les cas d'opération. Mais il y a des gens, toi tes affaires là, tu sais que c'est pour ça. C'est que c'est que tu as acheté le camion. Mais c'est parce que tu n'es pas sur la voie d'acheter le camion que tes affaires sont bloquées. Depuis là, les gens n'ont pas signé. Prends ton argent, dis Seigneur, le jour on signe le chèque, la moitié ça va. Je mets de l'argent de l'épargne, je dis au passé, ça c'est pour acheter le camion médicalisé. Dieu va te dire son besoin. C'est ce qu'il entendait. Il dit, vous pensez à construire vos maisons personnelles. Pendant que des gens meurent, vous avez un pasteur, vous avez une mission qui est en train de sauver des vies. Mais chacun pense à ses voyages, à ses constructions. Il dit, vous êtes bloqué. Réfléchissez d'abord à moi. Vous allez voir ce que j'ai fait pour vous. C'est pourquoi votre sac est percé. Vous mangez, mais vous avez faim. Vous buvez, mais vous avez soif. C'est ça la prophétie. C'était la prophétie de Agé. C'était la prophétie de Zacharie. Et tu la vois aussi de Zacharie, mais je n'ai pas le temps de lire. Zacharie chapitre 1, verset 3. Alléluia. Ah, je dois dire quand même pas que j'ai dit, puis on va terminer. Deuxième chose. Donc il faut que tu prennes la décision de revenir sur les voies de Dieu. Deuxième chose. Amen, amen. Bon, on va terminer. Deuxième chose. Mauvaise relation. Avec ma mauvaise relation. Mauvaise relation. On peut connaître un blocage. Dieu peut te bloquer parce que tu as des relations. Ça veut dire des relations avec des personnes. Et très souvent, c'est des gens à qui on est très attaché. Des amis. Des parents. Mais Dieu ne veut pas qu'ils soient avec toi de l'autre côté de ta grâce. Dieu ne veut pas. Et tant qu'ils sont là, tu ne vas pas passer. La raison du blocage, c'est la présence de quelqu'un. Tu ne dois pas. C'est-à-dire qu'il y a un marché où tu vas avoir combien de milliards là. Mais il y a un homme, il y a quelqu'un, il y a un camarade là. Elle ne doit pas manger ça avec toi. Il y a quelqu'un qui est avec toi, il doit pas. Tout de suite, je vais faire une prophétie. Est-ce que vous êtes prêts? J'appelle ça le vent qui balaye. Vous voulez le balayage? Écoutez, c'est une prophétie qui est dangereuse. Faut pas. C'est-à-dire que je ne sais pas, vous dites amen. Quand ça va secouer, ça va secouer. C'est une prophétie de nettoyage. Deutéronome chapitre 2, verset 14. La Bible nous parle d'Israël qui était bloqué avant de traverser la rivière. Donne-moi. Il a dit, le temps que durait nos marches de Kadès Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans. Mes amis, ils étaient en train de tourner en rond pendant 38 ans de blocage.
jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu. En fait, cette expression des hommes de guerre, ce n'est pas seulement des guerriers. C'est des guerriers. Mais des hommes de guerre, c'est des personnes avec qui ils étaient. On est dans le ramassis des gens. Des gens qui envoient la convoitise. Qui envoient, en fait, qui créent des sentiments qui ne sont pas les bons. Qui te donnent des pensées qui ne sont pas les bonnes. Des gens qui te... Et quand vous lisez ça, vous voyez cela, la prophétie dans Esdras 9. Les Juifs étaient en alliance. Zorobabel et puis Josué, ils ont dit non. Ils ne veulent pas collaborer. Mais le peuple... Lorsqu'on dit que la population, les gens sont partis vers la population pour les intimider, pour les décourager. Comment la population voisine les a découragés? Pourquoi les travaux ont été bloqués? Parce que le peuple même était découragé. Qu'est-ce qui a créé le découragement? Ce sont leurs amitiés. Ils ont contracté et ils causaient avec des gens qui paralysaient leur esprit. Mais ils ne se rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte. Il y a des blocages parce que ton esprit même est bloqué. Mais c'est parce qu'il y a des gens que tu fréquentes, tu ne sais pas qu'ils ont un effet comme ça sur toi. Tu ne sais pas qu'ils ont cet effet. Et c'est tout ça qu'on appelle les gens de guerre. Donne-moi le texte. Il a dit, jusqu'à que les hommes de guerre eurent disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. Verset 15. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp. C'est-à-dire, la main de Dieu est venue sur ces gens-là pour les enlever dans le camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. On continue, verset 16. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort, au milieu du peuple. C'est-à-dire que quand Dieu fait disparaître là, ah, il y a disparition par chassé. Mais dans leur cas ici là, bon, disparu par la mort du milieu du peuple, regarde sa virgule, l'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab. C'est-à-dire, le déclencheur, c'est que lorsque les gens sont partis, il dit, lorsque tous les hommes de guerre, de violence, les mauvaises pensées là. Lorsque eux tous sont partis, le même jour, Dieu lui a parlé. Il dit, enfin, bon, passe. Et 38 ans de blocage ont été levés en une soirée lorsque le dernier, sur son lit de maladie, quand il avait le dernier homme de guerre, la même nuit, Dieu a parlé. Il dit, Josué, on avance. Il y a des choses qui doivent disparaître de ta vie. Il y a des relations qui doivent mourir. Je n'ai pas dit la personne forcément, je ne parle pas des gens. Mais je parle d'un type de relation qui ne doit plus exister. Peut-être que la personne va changer, ça va devenir une relation plus saine. Mais il y a un type de relation qui n'est pas sain. Je ne parle pas de la mort des individus parce que nous-mêmes, nous pouvons être des mauvaises compagnies pour les autres. Ce que je t'ai entendu parler, c'est la mauvaise relation. Les relations doivent mourir. Les relations qui ne sont pas bonnes doivent s'éteindre. Pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Pourquoi tu es bloqué à cause de certaines relations? Il y a un type de relation que tu entretiens qui n'est pas intéressant avec les ramassis. Et Dieu doit les balayer. Dieu doit les balayer. Cette partie-là, généralement, les gens veulent la prophétie, mais ça fait mal. C'est la partie du blocage qui fait mal. Vous voulez ça? Est-ce que je peux déclarer? Quand le vent va passer, je connais des personnes, j'ai eu plusieurs fois ça. Il y a des prières, j'arrive. Tout le moment, on a fait la prière contre Pharaon. Je dis, Pharaon va tomber. Les gens ont crié, oh. Parmi les personnes, une de mes filles, quand j'ai prié, le Pharaon, c'était une amie. Quelques temps après, m'appelle. Papa. Mon ami là, elle a fait une crise. Ça ne va pas. Au moment où je voulais dire, j'ai prié pour elle. Moi, mais l'esprit me dit, mais c'est ta prière d'hier. Tu n'as pas dit, Pharaon va tomber. J'ai dit, hein? Elle-même aussi. Parce que j'avais demandé la même autorisation là. Je peux faire, j'ai crié, oui. Maintenant, le vent a commencé à souffler. Quand le vent a soufflé, elle aimait trop sa soeur. Mais sa copine, là, elle ne voulait pas, Dieu ne voulait pas qu'elle profite de la richesse que Dieu allait donner à sa fille. Dieu ne voulait pas. Elle jouait un rôle, on ne sait pas comment Satan passait par elle pour créer ce blocage dans la vie du mariage de cette soeur. Mais le jour, c'est-à-dire que ma fille, là, le jour d'entrer dans son mariage, Dieu ne voulait pas que son ami, là, soit son témoin, sa dame. Dieu ne voulait pas. Il y a des gens que Dieu ne doit pas voir avec toi là où il t'amène. Mais il se trouve que tu les aimes. Certains, vos relations amicales sont trop fortes. Il y en a d'autres, tu ne sais pas, il n'y a pas trop de relations. Donc, vous voyez, ce n'est pas grave. Donc, est-ce que je peux faire la deuxième prophétie? Ceux qui veulent, levez-vous. Ceux qui ne veulent pas, qui disent, pasteur, attendons un peu, restez assis.
voulez avancer. Ah! Donc, à partir de ce soir, quand quelque chose, si quelque chose arrive, avant d'écrire, oh, demande à Dieu. Demande à Dieu, Saint-Esprit, est-ce que c'est ce que ton serviteur a dit qui est en train de se passer? Si c'est ce que Dieu te dit oui, tu dis ok. Ça peut être un problème qui arrive, mais c'est pas la prophétie, c'est que la personne a vraiment des problèmes. Amen. Voilà. Mais comme c'est l'onction prophétique, Dieu va te prévenir. Et quand ça va se passer, Dieu va dire, c'est ce qu'il fallait. Alors, ça va se manifester souvent par des disputes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut intervenir qui va faire que toi et la personne, vous allez... Mais s'il le fait, ne va pas la rechercher demain. Ne va pas la rechercher demain. Les gens vont tenter de dire, même quand on va venir dire non, réconciliation, adopte la nouvelle relation. Amen. Adopte parce que ça veut dire que la façon dont la personne rentre dans ton intimité doit cesser. Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut le vent de Dieu? Lève la main. Dans le nom de Jésus, je le déclare prophétiquement sur ta vie, que le vent de Dieu souffle et que toute relation qui est malsaine par rapport à ta vie, toute relation qui crée un blocage d'avancement dans ta vie, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit souffle un vent sec qui assèche cette relation, qui tue cette relation, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela dans le nom de Jésus, que tout blocage qui vient de relations toxiques s'éloigne maintenant dans le nom de Jésus. Que tout blocage qui n'a de mauvaise relation soit paralysé dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Le Seigneur envoie son épée et sépare ce qui doit se séparer. Et brise ce qui doit être brisé. Afin que cette nuit même, le Saint-Esprit te parle et qu'il te dise, ma fille, maintenant, maintenant avance. Maintenant progresse. Maintenant avance. Il en est ainsi dans vos vies. Dans le nom de Jésus, quelqu'un donne un bon. Amen. Gloire à Dieu. Bon, le temps est trop parti. Sinon, je t'aurais parlé des quatre cornes. Dis-moi les quatre cornes. Tout ça, c'est les prophéties de Zacharie. Alors, je te donne juste l'intitulé. Il y a les vêtements spirituels. Il y a les quatre cornes. Les quatre cornes. Zacharie 1, 18. Je vais faire le début de prophétie des quatre cornes et on va s'arrêter là. Amen. Zacharie 1, 18. Il y a d'autres raisons. Il y a des raisons qui sont des blocages démoniaques même. Il y en a d'autres, c'est Dieu lui-même qui te bloque. Donc là, c'est la quatrième raison. La troisième. Il dit, Zacharie, donc c'est Zacharie le prophète qui a assisté. Voilà une de ses prophéties. Il dit, je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait quatre cornes. Dis avec moi, quatre cornes. Et continue la prophétie. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas. C'est-à-dire, dans le monde invisible, les gens ont placé des cornes. Vous allez voir c'est qui. Et ce sont des œuvres occultes. Et ça les a dispersées. Ce sont des puissances qui dispersent. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à se concentrer sur l'essentiel. Les gens sont distraits, dispersés. Dispersés financièrement, dispersés dans des investissements, dispersés dans beaucoup de choses. Il dit, ces cornes-là les ont dispersées. La dispersion vous bloque. La dispersion vous prive de vos ressources pour aller faire ce que vous voulez faire. La dispersion vous empêche de faire un investissement qui est correct. Il dit, ce sont ces quatre cornes. Il me dit, ce sont ces cornes qui ont dispersé Judas, Israël et Jérusalem. Donc, ce sont des puissances sataniques qui les ont envoyées aussi en déportation. C'est tout ça. Et il dit, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont... Allons-y, verset d'après. L'Éternel me fit voir quatre forgerons. Je déclare que les quatre forgerons arrivent. Que les quatre forgerons arrivent au nom de Jésus. Et puis il continue, il dit, je dis, que viennent-ils faire? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas. Tellement, il dit, tellement que nul ne lève la tête. C'est-à-dire les cornes ont contribué à l'humiliation. Les gens sont abattus. Que nul ne lève la tête et ces forgerons sont venus pour les effrayer. Donc ils avaient les cornes et Dieu envoyait. Donc quand la Bible dit que Zacharie prophétisait, il assistait là. C'est des choses comme ça qu'il disait. Il dit, revenez sur le chemin. Et en même temps, il voyait les combats spirituels. Et il prophétisait. Il a des visions. Donc, c'est dans cette dimension-là nous sommes. Amen. Il dit, ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. C'est-à-dire, tu vas lancer maintenant un jugement contre ces puissances. Ça, c'est les quatre cornes, c'est des puissances occultes. C'est des choses invisibles. Qui combattent. Ça peut être des personnes qui les invoquent. Quand je vais revenir sur le point, la prochaine fois, je vais te parler, on va montrer verset à l'appui les quatre cornes.
Il y a des cornes qui bloquent ta vie, ça s'appelle sur les cornes des dominations. Quand il parle des nations, c'est les dominations. C'est-à-dire, en fait, le blocage auquel tu es victime est un blocage qui est lié même dans ta famille. Par exemple, si tu es bloqué maritalement, si tu observes tes soeurs, tes parents ont le même problème. Vous êtes bloqué financièrement. Personne n'arrive à s'en sortir financièrement. Donc, ce n'est pas simplement une amitié. Parce que toi, tes amis, ça c'est le point numéro 2, les relations. Ta soeur n'a pas la même amie. Donc, ce n'est pas le même. Mais tu constates que ce qui te bloque, la bloque aussi. Voilà, ça c'est une des puissances des cornes. C'est une corne qui vous disperse comme ça. Et puis, il y en a d'autres par rapport à l'occultisme, la sorcellerie, les gens qui vont dans le travail tramer contre toi, c'est une des cornes. Vous avez les quatre cornes. Mais Dieu a suscité les forgerons. Alors, le culte fini, le message fini, mais je veux prophétiser l'arrivée des forgerons dans ta vie. Que toutes les quatre cornes qui ont contribué à t'humilier, à t'abaisser, à s'élever contre toi, les dominations, les règnes des nations contre ta vie, lève les mains dans le nom de Jésus. Maintenant, regarde, sur ta gauche, sur ta droite, tu vas casser les cornes prophétiquement. Tu regardes comme quand tu la dois, tu fais comme ça, tu la coupes. Et puis tu te retournes. Tu prends. Parce que quand il y a quatre cornes là, tu es cerné par quatre. Une ici, une là, une là, une là. Mais dans le nom de Jésus, ta main est un tranchant d'épée. Coupe là. Au nom de Jésus. Tu coupes. Au nom de Jésus. Tu te retournes. Au nom de Jésus, tu te retournes. Que dans les quatre points cardinaux, ta vie soit délivrée. Que tout ce qui t'a combattu, fais le geste. Tout ce qui t'a combattu est renversé dans le nom de Jésus-Christ. Les forces des sorciers, les forces des ténèbres, je le déclare prophétiquement. Les nations, le système qui s'élève contre toi est renversé dans le nom de Jésus. Les rois qui t'ont combattu dans le secret sont renversés dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'il a, c'est ce que le roi, vous voyez ce que le roi a dit. Le roi a dit, il dit, là on est dans Esdras, chapitre 5, il dit, tout roi, je crois que cette partie je ne l'ai pas lue, amenez-moi à la partie là, c'est Esdras 5, verset, je crois 16, il dit, non, verset 12, verset 13, donne-moi le verset 12, Esdras 5, rapidement. Mais après, nos pères, et il les livra au roi de Babylone et Chaldéens, détruit cette maison et l'amena. Non, Esdras 6. Esdras 6, pardon. 6, 12. Que le Dieu qui a fait résidence celui son nom renversé. Voilà, il dit. Là, c'est le roi Darius qui parle. Il dit. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole. Pour détruire cette maison de Dieu. C'est-à-dire, quand Darius a écrit, là, il a fait une malédiction. Il dit, si quelqu'un s'élève, on va le mettre au poteau, on va détruire sa maison. Maintenant, il dit, si un autre roi vient arrêter ce travail, qu'il soit renversé. Et ces rois-là, ça fait partie des cornes. C'est ce que, en fait, quand Zacharie a prophétisé contre les cornes, les rois, les entités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au ministre, qui ont le pouvoir et qui signent contre toi. Si après ce culte-là, les gens continuent, ils tombent de leur poste. On les enlève. Darius dit qu'ils soient renversés. Qu'ils soient renversés. Qu'ils soient... Je le déclare dans le nom de Jésus. Que toute corne de domination qui continuera de te combattre, de refuser que tu avances, malgré cette prophétie, Dieu la renverse. Quel que soit le poste qu'il a occupé, Dieu renverse. Au nom puissant de Jésus, tu saisis ta destinée. Au nom de Jésus, dis avec moi, débloqué. Au nom de Jésus, débloqué, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma vie spirituelle, ma vie de famille, mes affaires, mes finances, dans tous les domaines, débloqué, débloqué, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'achève toute chose, ce que Dieu m'a donné, je commence et je l'achève, débloqué, débloqué. Débloqué, 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 débloqué. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un acclame Jésus et pousse des cris de victoire. Alléluia. La vie spirituelle est débloquée dans le nom de Jésus. Les blocages dans ta vie familiale sont ôtés dans le nom de Jésus. Quels que soient les corps,
les relations qui ont causé ce blocage, ils tombent au nom de Jésus-Christ. Mais Zacharie a dit ce que il dit ce que tes mains, Dieu a commencé avec tes mains, tu vas l'achever au nom de Jésus. Je décrète et je déclare sur ta vie l'achèvement divin. Tu achèves ce que tu as commencé. Tu achèves au nom de Jésus. Tu achèves au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Débloqué. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Audi, j'espère aller plus loin que samedi, mais bon. J'ai pas parlé des vêtements. Il y a les vêtements. Et puis il y a l'humilité. Voilà, ce sont les choses qu'il faut développer. Amen. Dieu peut te bloquer parce qu'il sait que si tu donnes trop d'argent, tu seras trop orgueilleux. Donc, deviens un et puis ça va venir. Que Dieu soit avec toi. Que la faveur divine soit avec toi. Hein? Donc, la maison sur laquelle tu es bloqué, tu n'avances pas là. Toi-même, il faut imaginer. Dans ton cœur, il y a une pensée là. Hey, le jour, je vais avoir ma maison. Oh! Abidjan saura que. Oui, il y a des choses, on veut que Dieu, les choses soient débloquées. Mais notre cœur même veut frimer avec ça. C'est à cause de ça que c'est bloqué. Amen. Donc, sois humble. Il faut que tu rêves à ça sans que cela te monte à la tête et que tu gardes l'humilité dans la nouvelle dimension que tu vas atteindre. C'est une des raisons. Que Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta vie, que tu progresses, que tu achèves. Nous allons dire merci au Seigneur Jésus en lui apportant notre deuxième offrande. Amen. Alléluia. Ok, les paniers vont passer pour recueillir nos dons et nos offrandes. Pendant qu'on va suivre les good news. Donc dans le panier, donne pour la construction. Donne pour les projets de construction. Dis merci à Dieu en ce moment dans des programmes tels que Overside, Club de vie. Amen. Ou tu dis simplement merci au Seigneur. Vos offrandes par rapport aux différents sujets qui sont là, vous pouvez décider de faire une offrande. Vous voyez, je ne veux pas vous imposer quelque chose, mais je veux laisser l'Esprit te conduire à faire une offrande de déblocage. Alléluia. Voilà, moi-même avant de faire ce culte-là, j'ai fait personnellement une offrande de déblocage. Amen. Pas parce que j'étais bloqué dans les six domaines, mais je me suis dit, je vais parler de ta part sur les six domaines. L'Esprit du Seigneur vient sur moi. Donc, j'ai fait une offrande relative à six. Si tu as fait trois, je crois que tu as fait trois paniers, tu peux faire un multiple de trois. De 30, 300, 3 millions, comme tu veux. 5, 6, etc. Par rapport aux situations que tu vois débloquées, tu peux l'apporter aujourd'hui, tu peux l'apporter demain, tu peux l'apporter en semaine. Mais je t'encourage vivement à faire une offrande de déblocage. À faire une offrande. Si tu l'as fait prochainement, tu marques là-dessus. Déblocage. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Ensemble, apportons nos offrandes au Seigneur en suivant les good news. Amen.